chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Sous le Baobab de tous les mercredis. Nous vous remercions de votre fidélité à la Grande Radio. Et ce soir, voilà, nous sommes encore de retour, comme d'habitude, sur le plateau de la Grande Radio, la basse côte internationale, la radio des Guinéens, la Guinée numéro 1. Voilà, au menu du débat, nous allons parler toujours de la discorde, la tension qui montre entre... qui est en train de monter entre l'opposition et la mouvance. Je crois que la déclaration de l'opposition a fait a un tout petit peu remuer le gouvernement. En tout cas, cette déclaration, je crois, commence à avoir les effets puisque le gouvernement recule et appelle au dialogue. Alors, nous allons revenir sur ça et tout à l'heure. Vous allez nous dire ce que vous pensez de cette déclaration et qu'est-ce que vous pensez aussi de l'attitude du gouvernement qui appelle au dialogue et qui vraiment appelle l'ensemble de la classe politique au dialogue et qui sont ouverts à des solutions et restent à l'écoute. Ce dialogue doit se tenir sans préalable, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement. Alors, mais je vais vous faire écouter tout à l'heure un tout petit peu l'audio de Damaro Camara, comme vous le savez, hein, monsieur Damaro Camara, qui était très chaud la semaine dernière. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui, c'est ce gouvernement qui demande appel au dialogue. Alors, et c'est pour cette raison qu'on avait posé cette question la fois dernière au professeur Alpha Condé. Est-ce que Damaro arrangeait le professeur Alpha Condé avec ses propos? Voilà. Donc, c'est ce même Damaro aujourd'hui, hier même, qui appelait les Guinéens, la classe politique au dialogue. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a poussé, ou bien c'est, comme vous le savez, la radio basse-côte internationale, la radio des Guinéens, c'est la radio préférée du professeur Alpha Condé. Voilà, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on appelle à la classe politique au dialogue, mais quelle sorte de dialogue? Donc je vais vous lire tout à l'heure la déclaration de l'opposition guinéenne, chers auditeurs, nous allons faire une analyse très profonde par rapport à cette déclaration, et puis ensuite voir si on pourra lier ça un tout petit peu à la demande du gouvernement. Voilà. Donc, je reviendrai sur ça tout à l'heure, chers auditeurs. J'aurai besoin de la participation de tout un chacun de vous, puisque là, la tension ne fait que monter. Mais comme on a appelé l'opposition, la classe politique au dialogue, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque, bon, de toutes les façons, quelle sorte de dialogue? Nous connaissons le professeur Alpha Condé avec... voilà, avec ses attitudes, il connaît comment rouler les gens dans la farine. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure sur la déclaration de l'opposition avant de revenir sur l'appel lancé par la mouvance, hein, par rapport à ce dialogue-là. Voilà, donc restez connectés, nous allons revenir tout à l'heure sur la déclaration de l'opposition guinéenne. Mix.
Encore une fois, chers auditeurs, nous vous disons bonsoir. Bienvenue dans cette émission de tous les mercredis, le Sous le Baobab. Comme son nom l'indique, c'est une émission politique que nous avons bien voulu mettre à la disposition des Guinéens. Tous les mercredis, c'est comme ça, ça se passe. Voilà, ce soir, nous allons rester dans le cadre de la situation politique de notre pays. Nous allons parler de cette discorde qui se trouve entre la mouvance et l'opposition guinéenne. Voilà. Vous vous rappelez, la semaine dernière, c'est M. Damaro qui parlait. M. Damaro qui disait que dans l'émission Lynx, qu'il lance un défi, qu'il lance le défi à l'opposition guinéenne, qu'il a beaucoup parlé. Et nous, on était un tout petit peu inquiet par rapport à la déclaration de M. Damaro Camara, en se posant la question si ces déclarations de M. Damaro Camara arrangeaient le professeur Alpha Condé ou ça pouvait créer même des problèmes au professeur Alpha Condé. Mais à mon grand étonnement, c'est ce même Damaro hier qui demandait, présentait, appelait cette classe politique au dialogue. Alors, le gouvernement appelle la classe politique au dialogue, mais en attendant, je vais vous lire, chers auditeurs, la déclaration de l'opposition. Vous allez donner vos impressions par rapport à cette déclaration. Dans sa déclaration du 6 mars 2015, l'opposition républicaine avait mis en place les autorités gouvernementales et la CENI contre l'organisation de l'élection présidentielle avant les élections communales et communautaires, car ceci serait contraire aux dispositions de la loi et de l'accord politique du 3 juin. Exécutant à la lettre les instructions du président de la République, la CENI a rendu publique le 10 mars la décision d'organiser l'élection présidentielle le 11 octobre 2015 et les élections communales à la fin du premier trimestre 2016. Voilà. À partir de là, l'opposition républicaine a décidé de mettre en application les décisions qu'elle avait annoncées dans sa déclaration du 6 mars 2015. La suspension de la participation des députés de l'opposition aux activités de l'Assemblée nationale, la non-reconnaissance de la CENI, la contestation ouverte des délégations spéciales et autres chefs de quartier également installés par le pouvoir, la reprise des manifestations citoyennes pour exiger la satisfaction des revendications. Les leaders Cellulaire Diallo, Sidia Touré et Lansana Kouyaté se sont retrouvés à Paris pour examiner la situation. Ils étaient accompagnés à cette rencontre par M. Baouri, M. Baïli Haribo et Hadja Tétenabé. Voilà. Donc, à l'issue d'entretiens fructueux, conviables, je crois que l'opposition guinéenne, je parlais de la convivialité, était responsable et les leaders ont fait les constats suivants. Voilà, donc, chers auditeurs, c'est les constats que l'opposition a fait par rapport au comportement du gouvernement guinéen. Le gouvernement d'Alpha Condé s'est illustré depuis son installation comme chef de l'État guinéen par un mépris total de l'autorité, de la loi et une violation systématique des dispositions de la Constitution fondant les principes de l'État de droit. La déclaration de ses biens et les patrimoines, article 36, la démission officielle de son poste du président. Article 38, la délivrance du message annuel de l'État, de la nation. Article 50, l'installation de la Haute Cour de justice. Article 117 à 120, et les mises en place de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes. Article 160, ne sont pas effectivement tout au long du mandat présidentiel. Les violations répétées du code électoral et le refus d'organiser selon les dates et les périodes les scrutins à tous les niveaux tels que fixés par la Constitution ont abouti à une déférence
total de la population vis-à-vis des consultants électifs. C'est ainsi que la législative qui aurait dû intervenir dans le premier trimestre de 2011 n'ont eu lieu que le 28 septembre 2013 à la suite de plusieurs manifestations pacifiques qui ont été sauvagement réprimées avec plus de 60 personnes tuées, des centaines d'handicapés à vie, des milliers de citoyens incarcérés dans les prisons et dans les prisons. Voilà, donc, chers auditeurs, je vais partir par le numéro 2. Voilà, dans les prisons et plusieurs milliards de francs guinéens de destruction de biens, de marchandises. C'est dans le même mépris des lois que les délégations spéciales communales ont été installées en 2011 et subsistant jusqu'à présent, alors que leur durée de vie ne devrait pas accéder à 6 mois. La politique de la décentralisation qui était un modèle et son genre a été ainsi anéantie. Les attitudes politiciennes, méconnaissant également l'article 2.2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, signé et ratifié par la Guinée, qui stipule que les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates et périodes fixées par la Constitution et les lois électorales. L'État guinéen a ce jour en but à plusieurs contentieux juridiques devant les juridictions internationales du fait des violations de l'article 13 relatif au code foncier et dominial, notamment en ce qui concerne la protection du droit de la propriété foncière et la procédure d'exploitation d'appropriation pour cause d'utilité publique. Cette gestion, patrimoniale des biens publics a découragé les investisseurs nationaux et étrangers, causant ainsi un grave tort au développement du secteur privé dans le pays. Donc le chef de l'État Alpha Condé a commis une grave forfaiture et en modifiant, en violant les dispositifs de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs, la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de l'institution nationale indépendante des droits humains. Au regard de la loi, ceci est constitué un acte de haute trahison, selon l'opposition, la violation récurrente des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire avec assassinat de manifestants pacifiques et les tueries massives en Guinée et forestière ont créé un climat d'insécurité généralisée. Des cadres de l'administration sociale, civile et des responsables politiques sont lâchement assassinés sans aucune lumière ne soit faite sur ces crimes. Tous les responsables de ces crimes bénéficient d'une impunité totale. La propagation et la persistance de la fièvre hémorragie Ebola dans la sous-région, avec plus de 10 000 morts enregistrés par l'OMS, sont imputables dans une large mesure à mauvaise gestion par le gouvernement guinéen. De la maladie de son apparition, la mauvaise gestion par le gouvernement le lieu de rendre hommage à la communauté internationale pour l'aide précieuse et déterminante dans le succès de la riposte contre la maladie. Le bilan de Alpha Condé est marqué par l'aggravation de la pauvreté et du chômage dans le pays avec les pertes nettes d'emplois et une crise économique et sociale sans précédent. Voilà. Au vu de toutes ces devises, M. Alpha Condé perd toute légitimité pour présider encore aux destinées de la Guinée. Son maintien au pouvoir constituerait une grave menace pour la paix et l'unité de la Guinée et la stabilité de la sous-région. Voilà, chers auditeurs, je vais partir aux dernières parties de cette déclaration. Pour la Guinée, d'appliquer les mesures envisagées dans les déclarations du 6 mars 2015, telles que appelées au deuxième
paragraphe de la présente déclaration, de renforcer l'unité et la cohésion de l'opposition qui va s'atteler dès maintenant à l'élaboration d'un gouvernement commun, d'un programme commun de gouvernement, de rentrer immédiatement en Guinée pour mener avec les autres partis politiques et toutes les forces vives du pays la lutte pour le respect de la Constitution, des lois et de la République et des accords. Voilà. Donc, chers auditeurs, ça c'était la déclaration de l'opposition guinéenne. Et j'aurais besoin de votre participation aujourd'hui puisque là, la déclaration de l'opposition guinéenne, et comme vous le savez, hein, c'est l'opposition guinéenne qui déclare aujourd'hui, c'est-à-dire qui est en train de prendre ses dispositions à ne plus reconnaître cette CENI, mais aussi demande, il veut faire constater vraiment cette vacance de pouvoir, l'incapacité du professeur Alpha Condé à gérer ce pays-là. Voilà, donc nous allons revenir tout à l'heure avec la déclaration du gouvernement. Mais vous le savez, hein, vous le savez, chers auditeurs, avant-hier, dans l'émission Retrouvailles sous les échos de la cité, nous étions là encore pour parler de la déclaration de Damaro. Je vous ferai jouer la déclaration de Damaro tout à l'heure. Mais de toutes les façons, face à tous ces problèmes, tous ces petits problèmes, cette discorde qui existe entre l'opposition et la mouvance, le gouvernement du professeur Alpha Condé a tendance à reculer. Moi, je me méfie de l'attitude de ce gouvernement, puisque en connaissant le professeur Alpha Condé, ce recul-là, en appelant au dialogue au plus vite que possible, moi je ne dirais pas que le professeur Alpha Condé est en train à regretter de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il a fait. Non, le professeur Alpha Condé peut-être veut jouer la politique, puisque aujourd'hui il se sent menacé par l'opposition. Il sait que cette opposition est au sérieux. Voilà, donc il y a une panique totale qui se trouve au sein de la mouvance, puisque même Damaro Camara a changé de ton. Voilà, donc nous allons... ça, c'était la déclaration de l'opposition guinéenne. C'est l'opposition guinéenne qui monte maintenant au créneau, et dans les jours à venir, ils vont demander le départ de Alpha Condé. Ils vont constater, une vacance de pouvoir. Puisque selon l'opposition guinéenne, le professeur Alpha Condé n'est plus en mesure de gérer ce pays-là en violant flagramment cette constitution. Nous le savons que depuis le professeur Alpha Condé est venu, il n'a jamais respecté. Rien n'a été respecté. Tous les accords que le professeur Alpha Condé a signés n'ont pas été respectés. Mais aujourd'hui, c'est l'opposition guinéenne maintenant qui monte au créneau. Voilà. Mais je vais vous lire tout à l'heure la déclaration du porte-parole du gouvernement. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter, même pour 10 minutes, M. Damaro Camara, puisque les RPGistes, parce que moi j'avais conseillé les RPGistes la fois dernière, j'ai dit, mais dites à Damaro Camara de changer son langage. Ce n'est pas le moment pour lui de mettre Alpha Condé dans les problèmes, puisque les propos de Damaro enfonçaient Alpha Condé dans les problèmes, et c'est-à-dire mettaient les opposants en colère. En ce moment, la déclaration n'était pas sortie. Mais quand la déclaration est sortie hier, je crois avant-hier, Damaro a été la première personne à se faire une sortie pour demander à l'opposition au dialogue. Aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même qui demande l'opposition, la classe politique au dialogue. Est-ce que ce dialogue-là, chers auditeurs, soyons francs, est-ce que ce dialogue-là sera-t-il possible? Mais je vous prie d'écouter d'abord pour 15 minutes les propos de Damaro avant de revenir sur la déclaration
le porte-parole du gouvernement. Nous nous intéressons à cette sortie de l'opposition. Guinéenne a annoncé ce mardi le retrait de ses députés du Parlement et son intention d'empêcher l'ouverture de la session des lois prévues en avril. L'opposition dit également qu'elle ne reconnaît plus la CENI et qu'elle installera les députés uninominaux à la place des présidents des délégations spéciales dont le mandat a expiré. Cette décision de l'opposition, vous le savez, est consécutive à la publication du chronogramme électoral. Par des projets d'amendements venant du gouvernement ou par des propositions d'amendements venant des députés ou des groupes de députés, vous faites la proposition de loi, vous déposez au bureau de l'Assemblée qui en étudie la recevabilité et puis la conférence des présidents décide du chronogramme quand est-ce que cette loi peut être examinée. Si elle passe, vous avez réussi. Si elle ne passe pas, c'est ça aussi la démocratie. Il n'est pas dit parce que ma proposition de loi n'est pas passée à l'Assemblée, donc je vais dans la rue, ce n'est pas une république. Mais c'est ça aussi les contraintes de la démocratie. Mais ce qui est bizarre, donc, Président, c'est que c'est maintenant... J'arrive. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que l'on comprenne deux choses. Il ne faut pas que la classe politique, qui est quelque part l'élite d'une population, parmi une population qui a 70% analphabète, il faut que l'on comprenne que premièrement, la Guinée n'a jamais organisé, je dis bien, jamais organisé d'élections communales transparentes. Ces communes qui ont été installées en 2005... Quand ces messieurs-là, justement, étaient au pouvoir... Monsieur Camara, vous êtes d'accord avec nous que le consensus a toujours prévalu pour... On a toujours en dit... En période de transition... On peut considérer que la Guinée est dans une transition depuis 2010. Non, parce que, non. Quand on réfléchit... Attendez, vous allez répondre. Quand on voit... Voilà, chers auditeurs, vous vous rappelez, c'est M. Damaro qui parlait là. Ça, c'était la semaine dernière, hein, avant la déclaration de l'opposition. Mais moi, je crois que la déclaration de l'opposition aujourd'hui a été effective. Ça a créé une certaine panique au sein de la mouvance. Mais à mon grand étonnement, je vais écouter les RPGistes aujourd'hui. À mon grand étonnement, c'est le même Damaro Camara qui demande l'opposition à la classe politique de venir au dialogue. C'est, je crois que le lundi passé, ça a été, je crois, l'une de mes déclarations, un de mes conseils à Damaro. J'ai dit, ce n'est pas le moment pour toi, Damaro, de mettre le feu, de créer des problèmes pour Alpha Condé. C'est toi, Damaro, en tant que président du groupe parlementaire, qui doit te lever pour demander à l'opposition, à la classe politique, de revenir au dialogue, autour d'une table. Mais ce n'est pas ça que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est le même Damaro, hier, qui est sorti. Alors, pardonnez-nous, venez autour d'une table, on va régler ce problème-là. Est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu trop tard pour la mouvance de demander ce dialogue-là? Est-ce que l'opposition aura confiance? C'est-à-dire, ce climat-là, est-ce que l'opposition aura confiance à cet appel-là? Puisque c'est un appel que le gouvernement lance, ils appellent toute la classe politique au dialogue. Mais moi, c'est ce que je disais le lundi à M. Damaro. Je dis, M. Damaro, aurait été moi à ta position en tant que président du groupe parlementaire, la première des choses que j'allais faire, M. Damaro, c'est de demander d'abord au président de lui donner la charge d'aller convaincre cette classe politique, l'opposition guinéenne, en les faisant revenir autour d'une table. Mais ce n'est pas ça que Damaro a fait. Lui, il a cru qu'en menaçant l'opposition dans ses propos, que cette opposition-là allait nous reculer un tout petit peu. Aujourd'hui, la déclaration de l'opposition nous a fait vraiment paniquer complètement la mouvance. Il y a une panique totale. Le porte-parole demande au dialogue. Est-ce que vous êtes d'accord, chers auditeurs, à ce dialogue-là? Puisque, comme vous le savez, moi, je mets un sujet. Je vous laisse le soin de me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec la sortie de M. Damantan Camara? Damantan Camara, c'est quelqu'un pour lequel j'ai du respect.
j'ai beaucoup de respect pour Damantha, le jeune Damantha Camara. Il fait beaucoup de choses pour Alpha Condé, mais moi je crois qu'il y a des gens comme Damaro Camara qui n'ont toujours pas compris qu'il est temps de faire comprendre, de dire la vérité, non seulement aux députés de l'Assemblée, mais aussi au président de la République, pour le respect de la Constitution guinéenne. Vous avez vu la déclaration de l'opposition, ils n'ont ressorti que le respect de la Constitution guinéenne qui a été violée et perpétuellement. C'est-à-dire, c'est devenu une perpétuelle répétition pour le procès Alpha Condé et son gouvernement de violer la loi, la Constitution guinéenne. Alors, si l'opposition, aujourd'hui, sa déclaration, vraiment, il a des preuves, tout ce qu'il a dit dans ses déclarations, est-ce que vous êtes d'accord avec l'opposition? Et pourquoi le gouvernement de Procès Alpha Condé recule? S'ils savent que ce que l'opposition n'est pas dans cette opposition n'est pas dans ses droits, pourquoi ils veulent reculer, ils demandent au dialogue? C'est très simple. Et si l'opposition recule, c'est-à-dire accepte de venir autour de la table, est-ce que elle se retrouvera encore dans une autre pièce du procès Alpha Condé? Vous voyez, le problème en Guinée, entre cette classe politique, c'est un problème de confiance. Même si ce n'était pas Alpha Condé qui était au pouvoir, il y a un problème de confiance qui existe entre ces protagonistes. Il n'y a plus de confiance. C'est cette confiance-là que le procès Alpha Condé devrait créer. D'abord, cette confiance-là. Mais les propos de Damaro ont fait que moi, je m'attendais à quelque chose. Je savais que la déclaration de l'opposition n'allait pas blaguer avec dans sa déclaration. Je savais. Et ce que je crois, ce que moi, ça n'engage que moi, ce que je crois, les élections présidentielles, parce que même dans la déclaration du porte-parole du gouvernement, ils insistent sur les élections présidentielles. Il n'a pas parlé des élections. Ils insistent sur le chronogramme de la CENI. En tout cas, si je comprends bien, ils insistent sur le chronogramme de la CENI. Est-ce que l'insistance là sur le chronogramme de la CENI arrangerait-il le procès Alpha Condé? Encore une fois, chers auditeurs, merci à vous. Bienvenue dans l'émission Sous le Baobab. Avant de partir en pause musicale, j'aimerais vous faire écouter l'audio du président Sidya Touré. La présidentielle est prévue au mois d'octobre. Le calendrier électoral a été récemment dévoilé et il est rejeté en bloc par l'opposition. Les dirigeants de trois principaux partis, trois anciens premiers ministres, ont signé aujourd'hui à Paris une déclaration commune. Ils ne reconnaissent plus ni la commission électorale, ni le président Alpha Condé et ils appellent à manifester contre lui. N'y a-t-il pas un risque de violence? Écoutez Sidya Touré, il était notre invité tout à l'heure. Nous essayons de faire en sorte que la démocratie soit respectée dans notre pays. Depuis l'installation de ce régime il y a 5 ans, imaginez-vous, nous n'avons pas pu tenir des élections communales qui étaient prévues depuis 2011. Il a fallu 2 années de manifestations, 60 morts pour qu'on arrive à des élections législatives en 2013. Et tous les engagements pris, notamment la mise en place du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, ainsi de suite, tout ceci a été absolument bloqué par la présidence de la République. Ça veut dire que vous rêvez d'un scénario à la Burkinabé, c'est la seule arme qui vous reste là? Pas du tout, nous souhaitons simplement que nous ayons la possibilité d'avoir une alternance cette année en Guinée, c'est la volonté du peuple de Guinée, pour cela il faut que le processus soit respecté. Malheureusement, tout ce qui se met en place aujourd'hui tend à faire croire que nous voulons proroger le régime que nous avons et qui entraîne notre pays dans le déclin. Mais le président a bien maintenu dans le calendrier, en tous les cas, la présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel finalement? Non, malheureusement, ce sont les élections à la base qui sont l'essentiel. Quand les termes sont échus pour les mandats des maires et des conseils communaux,
Ces élections devaient se tenir en 2011. Ils ont une implication directe dans le processus électoral pour les élections présidentielles. Mais surtout, ils ont été remplacés par des délégations spéciales du RPG, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui va pouvoir manipuler les résultats des élections présidentielles. Mais la présidentielle, elle, en tous les cas, est bien fixée pour la fin de cette année. Est-ce que vous seriez prêt à présenter un candidat commun avec les autres membres de l'opposition? Nous n'y sommes pas encore arrivés. L'essentiel, c'est que ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est ce à quoi nous travaillons. Et nous souhaitons pour cela que la mobilisation soit totale pour que Alpha Condé comprenne que nous n'allons pas continuer à voir notre pays aller dans ce sens. Même sur le front d'Ebola, je vous donne les derniers chiffres aujourd'hui, nous sommes le pays en rade aujourd'hui. Obama l'a dit il y a un mois, nous avons encore 49 morts en Guinée la semaine passée, alors que le Libéria et la Sierra Leone s'en sortent. Et si on revient à ces élections, vous parlez d'alternance, vous appelez à l'alternance, mais on le sait en Guinée, quand il n'y a pas un candidat unique, c'est difficilement réalisable. Vous n'êtes pas prêt à vous désister pour nous un autre candidat? Nous y travaillons et moi j'espère que nous y arriverons. De toute façon, la raison l'emportera. Si les élections sont transparentes, Alpha Condé ne pourra pas renouveler son mandat à la fin de cette année. Voilà encore, chers auditeurs, bienvenue à la grande radio, la Basse Côte Internationale. Voilà, dans son émission Sous le Baobab de tous les mercredis, la tension monte, mais je crois que le gouvernement du professeur Alpha Condé commence à comprendre. Ils reculent, ils veulent reculer, mais est-ce que ce recul-là n'est pas trop tard? L'opposition menace, le gouvernement recule et appelle au dialogue, au plus vite. Et puis le gouvernement incite au plus vite. Donc, selon la déclaration du... selon le porte-parole du gouvernement, c'était au lendemain de la publication de la déclaration des dirigeants de l'opposition guinéenne qui ont appelé à manifester pour exiger le départ du président Alpha Condé. Ils accusent d'avoir perdu toute légitimité. Le gouvernement Condé a fait marche arrière pour appeler au dialogue politique au plus vite possible. Voilà. Selon le Damantan Camara, nous appelons l'ensemble de la classe politique au dialogue. Nous sommes ouverts à des solutions et nous restons à l'écoute. Ce dialogue doit se tenir sans préalable et prendre au plus vite. Le ministre Damantan Camara a invité l'ensemble de la classe politique au dialogue, au consensus, au respect de la Constitution et les lois. Monsieur Damantan, au respect de la Constitution et des lois de la République. Nous respectons les décisions de la CENI. Voilà. Nous respectons les décisions de la CENI dès lors qu'elles ont été prises à la majorité de ses membres et qu'elles respectent la Constitution et les la Constitution et les fondamentaux démocratiques. Par ailleurs, M. Damantan Camara appelle à tous ses compatriotes sans exception et tous les représentants des formations politiques sans aucune distinction à faire les prochaines échéances électorales une réussite et une fierté pour la Guinée et les Guinéens. Donc, ils appellent toutes les forces politiques à se rendre aux prochaines élections. Ouais, moi, je ne comprends pas le communiqué de M. Damantan.
Donc après cet appel pressant du gouvernement Condé, la balle désormais est surtout dans le camp de l'opposition guinéenne qui accuse le pouvoir d'avoir renié les accords qu'il a signés le 3 juin sous l'égide des représentants de la communauté internationale. Puisque le gouvernement du professeur Alpha Condé veut appeler au dialogue, mais en même temps, il nous a maintenant toujours, en restant toujours derrière sa position, qu'ils vont organiser les élections, ils vont respecter le chronogramme de la CENI. Cela n'engage que l'opposition guinéenne. Voilà. Donc, nous allons, je vais faire un débat, comme ça sera une émission de 2h15, et puisque nous mettons nos émissions maintenant sur YouTube, et vous êtes écoutés sur YouTube, on commence à vous critiquer sur YouTube et sur notre page Facebook. Donc, voilà, nous avons mis cette option-là à votre disposition pour vous permettre de vous faire entendre sur YouTube, afin que nous puissions recevoir des critiques des auditeurs qui nous suivent sur notre page Facebook. Voilà, mais sur Internet aussi, il y a des critiques qui tombent. Donc, on va faire un débat, voilà, d'1h20 comme ça, voilà, puisque les émissions de mercredi, c'est les débats de 2h20, voilà. Et cela nous permettra de mettre nos émissions sur Internet. Encore bienvenue à vous. Je dis bonsoir à M. Badi Touré. Je vais ouvrir 3 micros, puisque aujourd'hui, je ne vais pas laisser les gens lever leurs mains. Ok, on va faire un débat dépassionné. Chacun va donner son point de vue entre nous. Chacun va donner son point de vue par rapport à la déclaration de la CENI et ce recul que nous appelons recul. C'était recul, mais la manière dont il recule, c'est avec précaution, tout en restant derrière le chronogramme de la CENI. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, je vais ouvrir le micro de Badi Touré. Monsieur Salou aussi est là. Monsieur Salou, bonsoir à vous du côté de Boston. Et Monsieur Mohamed Bangoua. Et nous allons faire un débat, une analyse par rapport d'abord à la déclaration de la CENI, de l'opposition, mais aussi aux réponses de la mouvance. Moi, c'est pour cette raison, quand je parle, mes approches, c'est avec méfiance. Moi, j'avais conseillé Damaro, le lundi passé, de faire beaucoup attention avec ses propos, puisque ça ne reflétait pas aux réalités. En tant que président du groupe parlementaire, c'est lui qui devrait se mettre devant pour appeler cette opposition autour d'une table. Mais ce n'est pas ça que Damaro a fait. Ce que Damaro a fait, il ne faisait qu'enflammer. Mais aujourd'hui, ce même Damaro, hier, a appelé, il a changé de ton. Moi, j'avais dit ici au professeur Alpha de demander à Damaro de changer de ton, puisque ça n'arrange pas le professeur Alpha Condé. Hier, il a changé de ton, mais aujourd'hui, c'est le porte-parole aussi qui appuie par une déclaration en demandant à la classe politique guinéenne de venir autour d'une table. Voilà, donc, je vais partir du côté de Connecticut, prendre M. Badi Touré d'abord, qui va pouvoir ouvrir ce débat par son analyse. Qu'est-ce que lui, il pense par rapport à cette déclaration de la mouvance, de l'opposition et la réponse de la mouvance. Alors, M. Badi Touré, bonsoir. Et mon frère, bonsoir. Comment allez-vous? Alhamdulillah, et vous? Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est un débat qu'on va faire. On va faire un débat dépassionné pour pouvoir donner nos points de vue, nos différents points de vue par rapport à la situation actuelle de notre pays, cette discorde qui se trouve entre mouvance et l'opposition. Qu'est-ce que tu en penses, Badi? L'opposition, sa déclaration est sortie et puis ensuite, le gouvernement appelle au dialogue. Qu'est-ce que tu en penses? Merci de m'avoir donné la parole. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio Basque internationale. Bon, comme tu l'as dit, je viens de prendre le train en marche. Ouais. Et je n'aurai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. D'ailleurs, je préfère écouter. Ouais. Parce que nous ne sommes encore jeunes. Nous apprenons rien, nous sommes là pour apprendre. Ouais.
Mais voilà, oh. Mais vous êtes là pour apprendre, mais nous étions là je crois que c'était le lundi. Vous savez quoi, c'est chaud, le débat était chaud. Nous sommes toujours ensemble, je suis... Quand on parlait de Damaro, on donnait les conseils au Damaro, mais pourquoi c'est maintenant, le gouvernement, il devait écouter nos conseils à l'époque, le lundi là. On a demandé à M. Damaro, écoute, si vous voulez arranger le procès Alpha Condé, ce n'est pas le ton là que vous devrez adopter, puisque ça n'arrange pas. Mais aujourd'hui, ce Damaro revient à la raison, en demandant à l'opposition de revenir autour d'une table. Est-ce que, selon vous, c'est-à-dire, votre point de vue, est-ce que, selon vous, cette opposition reviendra-t-il autour d'une table? Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu trop tard? Non, mais, M. Bangoura, ce n'est pas par rapport à la menace que nous avons toujours entendue de la part de l'opposition que le gouvernement a déclaré, ce n'est pas aujourd'hui, je n'avais pas eu la chance de suivre le journal. Oui. Et qu'il appelle les gens au dialogue. Ça, c'est... Le gouvernement a toujours demandé le dialogue. Le gouvernement a toujours dit qu'il est ouvert au dialogue, mais un dialogue sincère. Mm-hmm. Un dialogue sincère avec un thème bien précis par rapport justement à la Constitution. Mais on ne viendra pas maintenant, ils n'accepteront plus que les gens viennent comme des enfants. Et vous venez, ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun plan. À chaque fois, et quand ils viennent sur la table de négociation, et quand quelque chose leur vient en tête, seulement ils posent là, et sans programme, rien. Donc le gouvernement a toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que vous venez juste peut-être l'apprendre, mais sinon, le gouvernement a toujours dit, depuis très longtemps, et ils sont ouverts au dialogue avec tout le monde, avec toutes les parties. Et que ce soit l'opposition ou la mouvance ou les intermédiaires, les centristes, mais ils sont ouverts, le gouvernement est ouvert. Nous ne sommes pas surpris parce que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la première fois aujourd'hui que le gouvernement dit qu'il est ouvert. Le gouvernement est toujours ouvert. Voilà. Mais d'accord, donc, ils sont toujours ouverts, mais par rapport à ce chronogramme là-bas, c'est-à-dire... Par rapport à la déclaration de l'opposition, ils acceptent de dialoguer avec cette opposition, mais tout en respectant les décisions de la CENI. Mais c'est ça le point du conflit. Le conflit. Mais c'est ça. Mais on dit, c'est ça, c'est ce que la Constitution dit. C'est que c'est sur cette base que le gouvernement peut-être, s'il doit avoir un dialogue, c'est sur cette base que le dialogue va avoir lieu, c'est en respectant la Constitution. Oui. C'est ce qu'il faut, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons dans ce pays-là maintenant. L'opposition aussi, il nous accuse le procès Alpha Condé de ne pas avoir respecté la Constitution. Oui, depuis toujours, c'est toujours comme ça. Comme je l'ai dit, c'est la même chanson. Depuis 2004, on est là menacé. Et 3 mois, le chef de l'État va partir, on va le chasser, on va le faire déguerpir. Mais il est là. Mais vous ne pensez pas cette fois-ci que l'opposition est un tout petit peu au sérieux? Mais écoutez, c'est dans la bouche, sauf que on a tout essayé. Et le chef de l'État, il est là, il sera là encore. Ouais. Et en 2015, et nous allons encore le plébiscer. Et le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, il sera encore réélu. C'est ce que je disais la dernière fois, quand l'autre venait dire, nous sommes fatigués avec les déclarations de Selou Dalin qui dit c'est chaque fois, c'est un gouvernement incompétent, non. C'est, depuis 4 ans, nous entendons des choses comme ça là. Mais lui aussi, il n'a qu'à venir nous dire ce que lui il a fait quand il était là pendant plus de 11 ans. Voilà, dire qu'Alpha est incompétent et son gouvernement, on a tout entendu cela. Donc, d'accord, nous sommes tous d'accord maintenant, Alpha est incompétent. Mais lui, il pense que c'est avec ces déclarations-là que... Mais je me demande qu'il vienne nous dire ce que lui a fait quand il était là pendant plus de 11 ans. S'il a dit, c'est pourquoi je ne le supporte pas, mais pour ça je le supporte. S'il a dit, il dit, j'ai acquis de l'expérience. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, et quand je suis venu en Guinée, je l'ai prouvé.
Il dit, cette expérience-là, je la réclame avec force. Et tout le monde le sait. Mm-hmm. Alors, quelqu'un qui veut un changement dans notre pays, qui veut que ce pays-là se développe, mon frère Bangoura, entre vous et Dieu, mm-hmm. est-ce que tu peux choisir un certain Cellulaire Diallo mm-hmm. devant Sidya Touré, si tu vraiment souhaites un changement dans ce pays-là? Parce qu'ils sont incomparables, tout le monde le sait. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, Sellou et Sidya sont incomparables. Tu ne peux pas. Alors, et ils ne veulent pas, ils refusent catégoriquement. Le gars, il s'était sacrifié en 2010 à cause d'eux pour soutenir Sellou Dalein Diallo. Lui demande sa candidature unique parce que tout le monde a compris aujourd'hui que si c'est Sellou, face au président Alpha Condé, mon frère, il n'y a pas match. Oui. Mais ils disent carrément qu'ils ne soutiennent pas Sidya Touré, qui a perdu ses militants à cause d'eux, mm-hmm. que parce que ce dernier n'a pas de militants. Alors, est-ce que c'est un changement que ces gens-là veulent dans ce pays-là? D'accord. Hein? Est-ce que c'est un changement qu'ils veulent? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, M. Bangoura, oui. les gens-là, ils sont ensemble, mais en réalité, ils ne sont pas ensemble. D'accord, donc on verra tout à l'heure, M. Badi Touré reste dans le débat. On va, c'était Badi Touré, son point de vue par rapport à la déclaration de l'opposition. Pour M. Badi Touré, cette opposition n'est toujours pas d'accord. Il n'est pas du tout sûr de cette opposition. Alors, M. Aboubakar Camara, voilà, il est sympathisant du procès Alpha Condé aussi. Il va donner son point de vue par rapport à cette déclaration. M. Camara, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la déclaration de l'opposition guinéenne? Bon, par rapport à la déclaration de l'opposition guinéenne, moi, je ne pense pas ça au premier degré. Mais... pour moi, c'est le même Mamaya que les gens sont en train de raconter. Mm-hmm. Parce que depuis qu'on les a connus jusqu'ici, mm-hmm. théoriquement, ils parlent, mais on n'a pas vu les faits. Mm-hmm. Moi, je crois que, comme je l'ai toujours dit, le problème de la Guinée se règle ici en Guinée, pas à l'extérieur. Mmh. Moi, je pensais même que si je fermais les yeux avant de les ouvrir, les bazookas sont déjà descendus dans la Guinée. La Guinée était finie, d'après ce qu'ils sont en train de dire. Mmh. Et comme vous avez dit que le gouvernement a fait recul, mmh. moi, je n'ai pas eu la chance d'écouter ça à la radio, comme vous l'avez dit, vous l'avez écouté. Mmh. Mais comme vous avez toujours encore dit, sur les principes, ils ont dit qu'ils veulent négocier, mais sur les principes, mmh. c'est-à-dire qu'on ne peut plus permettre à les gens de venir à la table, raconter n'importe quoi et n'importe qui, et mmh. quelque chose qui vient dans leur tête. Il y a les principes qui sont là, on marche sur ça. Si à base de ça, les gens sont prêts à négocier, on est prêt, on peut parler. Mais pas en dehors de ce que nous-mêmes, on a établi les Guinéens. Mais l'opposition aussi vous accuse de ne pas respecter la Constitution. Donc il y a un problème de confiance là. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a toujours respecté la Constitution. Moi, je dis ça en faux. On a toujours respecté. Et ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas un petit groupe, comme on veut bien dire ici, je ne veux pas attaquer l'ethnie, je dis, ce n'est pas un petit groupe qui va se réveiller un bon matin, dire un président démocratiquement élu, qu'on va le dégager. Moi, je crois que le mot là, c'est trop parti. Hein. Si c'est un autre terme qu'on pouvait employer, comme je ne suis pas français, je ne comprends pas bien le français, mais je crois que c'est trop dit. Mais ils ont parlé cette fois-ci d'illégitimité. C'est un président qui est élu, c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Je peux être d'accord que les gens pensent qu'ils ont 80% même des Guinéens qui le supportent. On va là-bas sur le terrain, sur l'une, la population va se déterminer. Bon, les gens peuvent comprendre que le mouvement, d'après ce qu'ils sont en train de dire, le mouvement n'a rien sur place, c'est eux seulement qui sont en Guinée, c'est eux qui commandent, c'est eux qui sont les gens. C'est ce qu'on va voir sur le terrain. Mais vouloir les écouter maintenant, moi, ça me fait mal même à l'oreille, parce qu'on a trop entendu ça. Les gens, moi, je crois qu'après la France, là, que la Guinée, c'était fini. Parce que les gens pensent que le pays, la Guinée, c'est un pays qui est un pays qui a son indépendance depuis combien de temps, nous tous nous connaissons. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas révéler les morts. Mmh. Si maintenant les gens pensent qu'ils veulent se réveiller un bon matin, venir dégager le président comme ils l'ont toujours dit, on les attend droit. Mais si les gens pensent que tous les Guinéens sont pour eux, moi personnellement qui vous parle, je parle de moi, à mon nom, moi je ne les soutiens pas.
Et je sais que je ne suis pas le seul en Guinée. Je ne les soutiens pas. Parce que Selou Dallon, personnellement, il a une étiquette qui est collée sur lui, que personne sur cette terre ne peut la lever. Il pense que tout ce qu'il a fait en Guinée durant les 11 ans, que les Guinéens dormaient, on le voyait. Voilà, Selou s'énerve, pourquoi on le comprend. Quelqu'un qui n'a jamais été, même un chef de quartier un jour, vient organiser l'élection en Guinée-Ituba, tu as été le premier ministre pendant 11 ans. Lui n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Moi, je suis pressé de voir aujourd'hui que les gens me montrent ce que Selou a fait durant ces 11 ans. Bon, les gens peuvent penser comme ça, que Selou peut dire tout de suite, je ne sais pas, je ne pouvais pas décider. Je ne fais que proposer des idées. Mais on a vu les premiers ministres ici qui ne pouvaient pas travailler avec certains gouvernements parce que ce qu'ils étaient en train de faire, le gouvernement n'était pas bien pour eux. Ils ont rendu leur démission. Et M. Selou est resté au commandement durant 11 ans, il est suivi. Donc, pour nous, il n'a rien à nous dire ici. Il n'a rien à nous dire. Il est auteur. Tout ce qui arrive en Guinée. Aujourd'hui, on parle de l'électricité, de l'eau. Qu'est-ce que les Selou ont fait durant les 11 ans? S'ils avaient fait ça, est-ce qu'on allait encore recommencer sur ça aujourd'hui? Mais montrez-moi la Guinée. Montrez-moi un coin où on ne doit pas toucher. Partout, le président a mis la main là-dedans. Il ne sait même pas où aller. Partout, rien n'était fait. Où on est en train de faire? On veut l'empêcher de ne pas travailler. Monopole du commerce à des gens que nous connaissons. Il y a des détails qu'on ne peut pas dire. Nous connaissons. Nous sommes tous les Guinéens. Mm-hmm. Personne n'a décidé qu'il devient. C'est Dieu qui l'a fait. Et on est là, on les écoute. D'accord. Merci à vous, M. Kamara. Ça, c'est M. Kamara Aboubakar. Il n'y a de pouvoir de raconter rien. Merci. D'accord. Merci à vous. Voilà, restez dans le débat, M. Kamara. Et chers auditeurs, encore une fois, bienvenue. Voici l'audio, la réponse de M. Sidya Touré sur France 24. La présidentielle est prévue au mois d'octobre. Le calendrier électoral a été récemment dévoilé et il est rejeté en bloc par l'opposition. Les dirigeants de trois principaux partis, trois anciens premiers ministres, ont signé aujourd'hui à Paris une déclaration commune. Ils ne reconnaissent plus ni la commission électorale ni le président Alpha Condé et ils appellent à manifester contre lui. N'y a-t-il pas un risque de violence? Écoutez Sidya Touré, il était notre invité tout à l'heure. Nous essayons de faire en sorte que la démocratie soit respectée dans notre pays. Depuis l'installation de ce régime il y a 5 ans, imaginez-vous, nous n'avons pas pu tenir des élections communales qui étaient prévues depuis 2011. Il a fallu 2 années de manifestation, 60 morts pour qu'on arrive à des élections législatives en 2013 et tous les engagements pris, notamment la mise en place du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, ainsi de suite. Tout ceci a été absolument bloqué par la présidence de la République. Ça veut dire que vous rêvez d'un scénario à la Burkinabé, c'est la seule arme qui vous reste là? Pas du tout, nous souhaitons simplement que nous ayons la possibilité d'avoir une alternance cette année en Guinée, c'est la volonté du peuple de Guinée, pour cela il faut que le processus soit respecté. Malheureusement, tout ce qui se met en place aujourd'hui tend à faire croire que nous voulons proroger le régime que nous avons et qui entraîne notre pays dans le déclin. Mais le président a bien maintenu dans le calendrier, en tous les cas, la présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel finalement? Non, malheureusement, ce sont les élections à la base qui sont l'essentiel. Quand les termes sont échus pour les mandats des maires et des conseils communaux, ces élections devaient se tenir en 2011. Ils ont une implication directe dans le processus électoral pour les élections présidentielles, mais surtout, ils ont été remplacés par des délégations spéciales du RPG, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui va pouvoir manipuler les résultats des élections présidentielles. Mais la présidentielle, elle, en tous les cas, est bien fixée pour la fin de cette année. Est-ce que vous seriez prêt à présenter un candidat commun avec les autres membres de l'opposition? Nous ne sommes pas encore arrivés. L'essentiel, c'est que ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est ce à quoi nous travaillons. Et nous souhaitons pour cela que la mobilisation soit totale pour que Alpha Condé comprenne que nous n'allons pas continuer à voir notre pays aller dans ce sens. Même sur le front d'Ebola, je vous donne les derniers chiffres aujourd'hui, nous sommes le pays en rade aujourd'hui. Obama l'a dit il y a un mois, nous avons encore 49 morts en Guinée la semaine passée, alors que le Libéria et la Sierra Leone s'en sortent. Et si on revient à ces élections, vous parlez d'alternance, vous appelez à l'alternance, mais on le sait en Guinée, quand il n'y a pas un candidat unique, c'est difficilement réalisable. Vous n'êtes pas prêt à vous désister pour prendre ce candidat? Nous y travaillons et moi j'espère que nous y arriverons. De toute façon, la raison l'emportera. Si les élections sont transparentes, Alpha Condé ne pourra pas renouveler son mandat à la fin de cette année. Ouais, dans la vie, il faut savoir choisir ses amis, c'est très important. Moi, c'est DJ Parizeau, le petit marteau qui casse gros grains. On y va, allez! Souris, souris,
Papus de ville Australie, non très très fort. On y va. Awa souris souris, vina de me souris, souris souris, ame de me souris. Mou du me dit temui, mou du sujet na sama dunye. Tanyele nou me pi, na temui ma honne mou nou nanou. La yina nou nana, gire mou nou nanou. Mou du fene. Voilà encore une fois, chers auditeurs, bienvenue à la radio des Guinéens, la Basse Côte Internationale. Voilà, nous allons continuer ce débat. Du passage, je dis bonjour, hein, bonjour à Madame Ba Iliassou qui vient de se connecter. Qui a pris le train en marche. On va prendre son input tout à l'heure par rapport à la déclaration de l'opposition. En tout cas, la déclaration de l'opposition a tendance à faire reculer un tout petit peu la mouvance par la déclino, par la réponse du porte-parole du gouvernement, hein, mais qui persiste encore tout en respectant, qui disent ils sont prêts au dialogue, mais en respectant, en restant derrière le chronogramme. Derrière la décision de la CENI. Est-ce que cela arrangerait-il le gouvernement du procureur Alpha Condé? Je vais partir du côté de Boston, prendre mon frère, ami, M. Salih Oubary. Alors, M. Salih Oubary, bonsoir. Oh, bonsoir, mon ami Léo. Comment allez-vous? Et je dis en passant bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio Pascot. Voilà. Est-ce que vous serez d'accord avec M. Damantan Camara par rapport à. C'est-à-dire cet appel qu'il lance à l'opposition guinéenne, à la classe politique toute entière, de venir autour d'une table, mais en insistant, en persistant sur le programme, le chronogramme. Bon, voilà Léo, une bonne question. Ça c'est que moi, personnellement, j'ai toujours privilégié le dialogue, parce que quels que soient les problèmes qu'il y ait la guerre ou pas en Guinée, en fin de compte, on se retrouvera autour d'une table pour régler les problèmes entre nous. Donc, si le gouvernement déjà préconise le dialogue, moi je pense que c'est une opportunité. Mais deux fois là. Voilà, le mais, c'est parce que le professeur Alpha Condé, c'est quelqu'un, c'est très difficile de négocier avec lui parce qu'il ne respecte pas ses engagements. Ça. Et je vous dis, le professeur Alpha Condé, c'est un stratège. Qui sait? Qui sait? Qu'est-ce qu'il veut au fait? Bon, s'il fait appel à l'opposition pour négocier, c'est légitime, c'est normal qu'il vienne autour d'une table en Guinée. Négocier, mais cette fois-ci, moi, à la place de l'opposition, je veux même exiger à ce que je négocie directement avec le professeur Alpha Condé. Ouais. Que tous les accords qu'on va conclure, que lui-même, il appose sa signature sur les PV. Mais envoyer un Damantan ou le Premier ministre, parce que ce qui est certain, les gens-là sont sous l'ordre du professeur Alpha Condé. Donc, pourquoi négocier avec le diable, négocier avec les intermédiaires du diable, alors que le diable est là? Donc, allez-y directement voir le professeur Alpha Condé. Voilà, voici les problèmes. On négocie sans intermédiaire. Si vraiment le dialogue sera franc, ça sera maintenant entre le professeur Alpha Condé et l'opposition. A priori, je vous dis encore, Léo, moi, je privilégie le dialogue. Parce que la guerre n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Et on doit dépassionner un peu le débat guinéen. Chacun doit défendre son parti. C'est normal en démocratie. Mais quand il y a une crise qui plane
sur le pays, je crois que tout un chacun doit prendre un recul, privilégier d'abord l'harmonie, la paix, que de soutenir le parti. Parce que c'est qu'il y a certains, le professeur, quand il y a guerre demain, les Guinéens, il y a des morts en Guinée. Le professeur Alpha Condé ne souhaite pas gouverner des cadavres. C'est les hommes qu'il va gouverner, ce n'est pas les cadavres. Nous savons combien de fois le moins sont précaires en Guinée. Et le peu qu'on a, si on détruit ça, si on détruit ça, qu'est-ce que la Guinée va devenir? Je crois qu'il faut un peu revenir sur nos sens et privilégier un peu la paix, l'harmonie, la concordance, discuter sans passion. Parce que des fois, la haine peut te pousser à faire des choses que toi-même, à la longue, tu vas regretter. Écoutez, ceux qui s'attaquent à Sylou Dalein, Sylou Dalein n'est pas le seul leader politique opposant en Guinée, mais il y a des alternatives. Il y a Kouyaté là-bas. Il y a Sidia là-bas. Mais moi, je suis vraiment, des fois, peiné. Dès qu'on parle de l'opposition, on ne voit que Sylou, on dirait que les autres, et ils ne sont pas des leaders. Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi seulement dire, oh, Sylou ne va pas prendre le pouvoir? Mais et les autres? Ils ne cherchent pas le pouvoir? Les Kouyaté et puis les Sidi, hein? C'est des alternatives qui sont là. Maintenant, vous pouvez me dire que vous n'aimez pas Sylou. C'est normal. C'est normal, chacun a son leader. Mais il faut voir la situation aujourd'hui. Et maintenant, à faire une part. Il y a Sidia là-bas. Si c'est Sidia qui convient, qui est le meilleur candidat, mais pourquoi ne pas voter pour lui pour qu'il y ait la tranquillité au pays? Si c'est Kouyaté, mais allons-y. Mais ce qui est ça, il ne faut pas que les gens s'acharnent contre Sylou. Sylou est passant. Il est dans la scène politique. Il va passer. La Guinée va rester. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un leader qui va nous sortir de cette crise. Mais je vous dis, moi personnellement, j'avais supporté le professeur Alpha Condé. Pourquoi? Parce que compte tenu du fait qu'il a passé parce que la moitié de sa vie à l'étranger, il a été opposant et c'était un professeur de droit. Moi, je me suis dit, il n'y avait pas un candidat idéal que le professeur Alpha Condé. Mais j'ai vu les performances du professeur Alpha Condé. Bon, ce n'est pas sur le plan économique qu'il y a le progrès. Ce n'est pas sur le plan social. Ce n'est pas sur le plan culturel. Vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, comme c'est la démocratie, nous irons aux élections. Celui qui aura plus de Guinéens, il va passer. Mais moi, personnellement, le professeur ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu. Je l'avais supporté, mais je ne le supporterai plus. Je ne le supporterai plus. Je suis allé jusqu'à New York, j'ai voté pour lui. Mais je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce que je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu avec cette tension sociale, comment la Guinée pourra marcher. Donc, l'opposition n'a qu'à faire beaucoup attention avec le professeur Alpha Condé. Moi, je crois que la déclaration de Damantan Camara, le gouvernement veut reculer pour mieux sauter. Ouais. Et si l'opposition ne fait pas attention, ils tomberont dans les pièges du professeur Alpha Condé. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à dire, Léo. D'accord. Merci à vous. Reste dans le débat. Je vais partir du côté de New York, prendre M. Mohamed Bangoura, avant de partir à Londres. Alors, Mme Ba est déconnectée, elle va se reconnecter tout à l'heure. Alors, M. Bangoura, bonsoir. Ok, bonsoir, mon cher frère. Comment allez-vous, frère? Ça va un peu, je dis bonsoir à tout le monde. Bon, je suis à une mauvaise position, là. Je ne veux pas trop parler. D'accord. Ce qui est sûr et certain, je suis à l'écoute. D'accord. Et je remercie mon frère qui vient de parler. Il a fait une très bonne intervention. Et c'est ce qu'on veut en Guinée. Merci beaucoup à tout à l'heure. Voilà, d'accord. Merci mon frère M. Mohamed Bangoua du côté de New York. Voilà, donc chers auditeurs, le débat va continuer. Je vais partir en pause musicale tout à l'heure. Vous avez écouté l'audio de Sidia Touré il a résumé le tout. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant leur rencontre, c'est ce qu'il a résumé. Je crois que
Et comme M. Badi Toué l'a dit, et M. Salou Enobari l'a dit aussi, le dialogue, c'est le lundi passé, c'est ce que nous étions en train de dire. Venez autour d'une table, hein, dialoguez, posez le problème, mettez le problème sur la table. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution au lieu de se taper la poitrine. Posez le problème sur table, en discutons. Mais je crois que, est-ce que avec cette déclaration du porte-parole du gouvernement, en appelant au dialogue, tout en demandant au peuple de Guinée de se préparer pour aller aux élections en fonction du chronogramme de la CENI, est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer un doute c'est-à-dire, on ne sait pas, je ne sais pas comment, quelle sorte de dialogue ils veulent, puisque le point clé, là, ils disent qu'ils vont rester derrière ce point clé là. Voilà, donc on verra tout à l'heure si vraiment ce dialogue-là aura lieu avec cette déclaration de mais c'est la politique. On peut changer du jour au lendemain cette déclaration du porte-parole du gouvernement, M. Damantan Camara, on peut le changer, hein. C'est la politique. Bon, ils peuvent demander à la CENI de revenir à une sous sa décision. C'est la politique, on ne sait pas. En tout cas, c'est le point clé. Et que l'opposition, sur lequel l'opposition insiste. Alors, si le gouvernement appelle au dialogue en restant derrière la décision de la CENI, je ne sais pas si le dialogue là aura lieu, mais je vous laisse le soin de juger cela. Et chers auditeurs, bienvenue à vous. Merci de votre fidélité à la Grande Radio. Je vous informe que l'émission des lundis, on cherchait un nom. Voilà, on cherchait un nom pour l'émission des lundis, puisque nous avons maintenant les émissions tous les lundis. Donc, il n'y a eu que trois noms. Lamine Condé avait trouvé un nom, un chemin sur, pour Serge Touréa. Et puis, M. Mohamed Bangoua avait trouvé les échos de la cité. Et puis, M. Mohamed Traoré avait proposé la grande retrouvaille. Alors, nous avons jugé nécessaire de prendre, de maintenir celle de Mohamed Traoré et de Mohamed Bangoura, les deux Mohamed. Hein, voilà. Et donc, on va appeler l'émission Retrouvailles sur les échos de la cité. Voilà. Tous les lundis, donc, c'est ça, c'est ce que nous avons décidé, Retrouvailles sur les échos de la cité, c'est-à-dire la proposition de Mohamed Traoré et de Mohamed Bangoura. Merci de votre fidélité à la Grande Radio. Thank you.
chers auditeurs, encore une fois, merci de votre fidélité à la grande radio, la Basse Côte Internationale. Bienvenue à vous. Voilà, nous allons aborder le deuxième volet de cette émission. Voilà, et je crois que vous avez tous un tout petit peu touché au premier volet. Chacun a donné son point de vue, nous respectons cela. Voilà, mais moi je crois que ce dialogue, c'est mon point de vue à moi aussi, hein. Je crois que cette déclaration de l'opposition guinéenne est tellement effective que le gouvernement, en appelant la classe politique au dialogue, doit être complètement ouverte dans le dialogue. Puisque s'ils appellent au dialogue en posant des conditions, c'est-à-dire avec des conditions, moi je crois que les dialogues là n'auront pas lieu, puisque c'est conditionné. Les dialogues, le but du dialogue, le but vraiment principal de ce conflit, c'est le chronogramme. Alors, si vous appelez au dialogue en insistant, en restant derrière la décision de la CENI, moi je crois que ce dialogue-là ne pourra pas avoir lieu, puisque ils insistent sur, ils restent derrière la décision de la CENI. La seule manière de faire accepter ce dialogue, c'est de revenir sur les décisions de la CENI, c'est de mettre cette décision de la CENI sur la table pour en discuter. Alors, mais si M. Damantan Camara appelle même les Guinéens aux élections présidentielles prochaines, et moi je crois que c'est, je ne sais pas, ça n'engage que moi, c'est un tout petit peu une erreur de la part du gouvernement du professeur Alpha Condé. Et s'ils veulent le dialogue, c'est ce que tous les Guinéens veulent, le dialogue, mais ils n'ont qu'à faire en sorte que ce problème principal qui est le chronogramme soit sous la table pour qu'ensemble ils puissent en discuter. Alors, mais c'est pas de demander aux Guinéens de se préparer pour partir aux élections présidentielles, puisqu'ils ne connaissent pas aussi la capacité de mobilisation de l'opposition, et tout cela, ça pourra vraiment finir par un conflit. Donc, pour éviter ces conflits-là, le pire, moi, je crois que le dialogue doit être sincère. Si Damanta appelle, le gouvernement appelle au dialogue, ils doivent dire, voilà, nous appelons le dialogue par rapport à ça, par rapport au chronogramme. Venez, on va discuter, on va parler, on va se dire qui a raison, qui n'a pas raison, qui n'a pas respecté la Constitution ici. En tout cas, dans la déclaration de l'opposition, tout ce qu'ils ont ressorti, ils ont accusé le professeur Alpha Condé de ne pas respecter la Constitution, mais du côté de la mouvance aussi, qui disent qu'ils sont dans le respect de la Constitution. Alors, donc vous voyez un tout petit peu, il y a des problèmes de part et d'autre. En tout cas, le problème, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. Et s'ils arrivent à régler cette affaire de confiance-là entre eux, moi, je crois que la Guinée pourra s'en sortir. Mais tant que cette confiance-là n'est pas rétablie entre la mouvance et l'opposition, entre le peuple même et cette classe politique en général, je crois qu'il y aura... il y aura toujours des problèmes. C'est pour cette raison, c'est comme ça que moi je vois, hein. C'est pour cette raison, moi je crois que les gens, cette classe politique doit être sincère envers elle-même d'abord, en appelant au dialogue, et comme le gouvernement l'a fait, en appelant au dialogue toute la classe politique, mais dans un dialogue sincère, ne pas dire, bon, je vous appelle au dialogue, mais tout en restant derrière la décision de la CENI. Non, moi je crois qu'il faut mettre ce chronogramme de la CENI sur la table. C'est discutable. On peut discuter. On peut discuter sur le chronogramme de la CENI. Mais si vous appelez au dialogue et que vous demandez à ce que vous dites tout en conditionnant vraiment ce dialogue, en restant derrière la décision de la CENI, je crois que ça pourra créer d'autres polémiques, d'autres conflits. Mais mettez
et ce chronogramme-là sur la table, on va en discuter, c'est comme ça, ça doit se passer. Chacun va donner son point de vue, on verra qui a respecté le chronogramme et qui n'a pas respecté le chronogramme. Moi, je crois que si cela est fait, on pourra sortir vraiment notre pays de cette crise-là. Voilà. Donc, chers auditeurs, encore une fois, je dis bonsoir à mon frère, mon maître Aoué. Je vous informe que vous avez gagné le nom de l'émission, les deux propositions des deux Mohamed, Mohamed Bangoura et de Mohamed Traoré, et sont retenues. Donc on appelle l'émission des lundis Retrouvailles sur les échos de la cité. Voilà, comme vous le savez, M. Mohamed Traoré avait proposé la grande retrouvaille. Donc on a maintenu Retrouvailles sur les échos de la cité. Les échos de la cité a été proposé par Mohamed Bangoua. Donc, les deux Mohamed ont gagné, Mohamed Traoré et Mohamed Bangoua. Voilà, donc, mes félicitations à vous. Donc, l'émission porte le nom de sous la proposition des deux Mohamed. Voilà, c'est comme ça à la radio des Guinéens. On va faire aborder le dernier volet. En tout cas, l'opposition a fait sa déclaration et puis, apparemment, moi, je n'appelle pas ça recul. Il y a c'est-à-dire la presse ou certains sites qui appellent cette déclaration du gouvernement, qui qualifient cette déclaration du gouvernement comme étant un recul, moi je dirais que ce n'est pas un recul. Attention, nous sommes en politique, ce n'est pas un recul. Ils appellent la classe politique au dialogue, mais tout en restant derrière la décision, respectant la décision de la CENI. Pour eux, selon la Constitution leur permet de soutenir la décision de la CENI. Mais en même temps, l'opposition guinéenne accuse le professeur Alpha Condé de ne pas avoir respecté cette même Constitution. Alors si il y a dialogue ici, ça doit être un dialogue sincère pour une sortie de crise. Ça ne doit pas être des dialogues conditionnés. Léo, je peux dire quelque chose là, hein? Ouais, vas-y, mon frère, avant de passer la parole à Badi Touré. Yeah, tu sais, cette intervention de Damantan, c'est purement politique. Parce que n'oublie pas qu'il y a la femme, Mikaël, qui est en Guinée. Il représente la communauté française, en tout cas, elle est en Guinée. La francophonie. La francophonie, je crois. Celle de la francophonie. Mm-hmm. Elle est venue, elle a rencontré les différents acteurs de la politique guinéenne. Ouais. C'est une façon pour le professeur Alpha Condé de dire ok, il tend la main pour les négociations, le dialogue. Mais au fait, c'est pas un peu couvrir la face pour dire à la femme que le gouvernement est prêt pour le dialogue. C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est sincère même ce que Damantan dit? Ce n'est pas des calculs. Ça, c'est des calculs politiciens. Comme la dame est en Guinée, il faut maintenant prouver que le gouvernement vraiment veut le dialogue, veut négocier avec l'opposition en faisant ces déclarations pareilles. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas franchement à la sincérité du gouvernement, quoi. Du gouvernement. Alors d'accord, merci à vous monsieur Salih Barry du côté de Boston. Alors Badi Touré, qu'est-ce que vous en dites? Alors monsieur Badi Touré est là? Oui, alors. Oui, monsieur Badi Touré, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous croyez à cet appel lancé par le gouvernement du professeur Alpha Condé qui demande un dialogue, mais tout en restant derrière cette décision de la CENI? Est-ce que ça va aboutir quelque chose? Oui, mais bien sûr, mais moi je crois en la bonne foi du gouvernement guinéen. C'est parce que, comme vous le savez, on ne peut pas vouloir de quelque chose et son contraire. On veut la démocratie chez nous, et la démocratie, c'est le respect de la Constitution et des lois de chez nous. Moi, je voudrais,
au lieu qu'on continue à polémiquer sur le sujet, est-ce qu'on a la possibilité de faire venir, parce que au sein de la CENI, je crois qu'il y a une commission technique qui s'occupe, qui étudie, qui évalue la faisabilité des élections chez nous. Mais on les a fait venir ici. On a fait venir Mme Camara, la directrice de chargée de quoi technique de la CENI. Elle était là il y a 2 semaines, après la sortie de cette déclaration, après cette décision. On l'a fait venir ici à la radio Basse-Côte internationale. Mais bon, on avait des soucis techniques. On peut la ramener encore. Ok. Moi, je crois que c'est important, c'est très important. Et même, vous, je crois que vous avez écouté Sidya Touré ou qui, quelqu'un d'autre comme ça, en tout cas un leader politique qui avait dit qu'il ne conteste pas à Bakar Sylla la date prévue, la date des élections présidentielles prévues par la CENI. Et ce n'est pas la CENI. C'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas la CENI qui a décidé, ce n'est pas la CENI qui a proposé cette date. C'est dans la Constitution. Donc, si on doit faire un débat ou un dialogue, c'est justement par rapport à la Constitution. Et c'est ce que le gouvernement a dit. Ce n'est pas compliqué. Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un aille chez lui à se coucher et rêver quelque chose demain matin, revenir pour mettre ça sur la table de négociation. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que le gouvernement a dit. Ils ne veulent plus discuter dans la pagaille, dans le toi-boy. Non, c'est par rapport à la Constitution. Ma question, Badi, c'est quoi? Le gouvernement appelle au dialogue. Je suis d'accord. Oui. Il faut, c'est-à-dire, c'est ce que nous avons besoin. C'est le dialogue sincère. Il faudrait que ça soit un dialogue sincère. Mais en même temps, il persiste. Il ne persiste pas. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est par rapport à la Constitution. Le gouvernement ne persiste pas. Non, il ne peut pas imposer ça à la population guinéenne. Non. Non, M. Bangoura, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils disent, Damantan dit ici, nous respectons les décisions de la CENI Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que la CENI ne peut pas se prononcer sur une date comme ça si ce n'est pas prévu par la Constitution. C'est pourquoi il le dit. C'est pourquoi il le dit, M. Bangoura. Je peux intervenir là. Le gouvernement et l'opposition, ils ne discutent pas la date du 11 octobre. Dans la Constitution, c'est ce que la Constitution demande. C'est pas ce que l'opposition est en train de discuter, mais l'opposition veut qu'on fasse d'abord le communal avant le 11 octobre. C'est là où tout le problème se situe. Il ne faut pas créer une confusion. C'est très clair dans les textes guinéens que les élections doivent se passer au mois d'octobre. Mais où maintenant est le problème? L'opposition dit qu'elle est prête à aller à respecter la date du 11 octobre. Ils ne discutent pas cette date. Mais de mars à octobre, la CENI a le temps d'organiser les communales. C'est tout le problème tourne autour de là, pas la date du 11 octobre. Voilà. D'accord. C'est pourquoi moi je vous ai demandé de faire, parce qu'au sein de la CENI, il y a une commission qui est là, qui s'occupe de ça, qui évalue la faisabilité des élections. Nous avons des élections que nous voulons coûte que coûte qu'elles soient tenues plutôt. Alors. Les élections municipales et présidentielles. Et nous connaissons tous aujourd'hui, parce qu'il faut être sincère avec soi, et que les deux élections, comme le disait tout de suite M. Sidya Touré, je l'ai écouté, là je ne suis pas d'accord avec lui, et quand il dit que d'abord ils veulent que les élections communales soient tenues parce que c'est les plus importantes par rapport aux élections présidentielle. Moi, j'ai dit non. Comme l'a dit quelqu'un, on préfère ne pas tenir les élections communales et communautaires que d'avoir un président illégitime. Là, nous serons dans la brousse. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, pour éviter cela,
Moi, je préfère qu'on organise d'abord les élections présidentielles pour ne pas avoir un président illégitime. Personne ne souhaite cela, parce qu'on ne veut pas être dans un pays, comme on le dit, Mireille Malangouniomema, et que le Gororo. Donc, moi, comme je l'ai demandé, moi, je préfère qu'on fasse venir un technicien au sein de la CENI, qui, la commission qui s'occupe de ça, qu'il vienne nous expliquer. Est-ce que c'est possible, techniquement, est-ce que c'est possible? Parce que c'est important, hein? C'est important. Parce que j'aurais appris quelque part que l'opérateur qu'on vient de recruter, comment j'ai mal tout, il n'a pas encore... voilà, j'ai mal tout, hein? Mm-hmm. N'a pas encore pris service, peut-être, et qui prendra service à partir du mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc, moi, je préfère qu'on fasse venir un membre influent de la CENI, hein, qui va venir nous expliquer. Et comme ça, je crois que nous qui sommes en loin de notre pays, pour nous mettre au bain de la chose. D'accord. Mais je suis sûr déjà, et je soutiens la position du gouvernement qui dit qu'il est ouvert pour un dialogue, mais un dialogue sincère et par rapport à la Constitution. Donc, c'est mon position par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Merci, merci à vous, M. Badé Touré. En tout cas, l'opposition guinéenne, c'est trois points. Ils ont accusé le gouvernement du professeur Afad. C'est-à-dire, les accusés, ils se rejettent ces accusations-là, you know, par rapport à la constitution guinéenne. Et moi, c'est là-bas où j'ai des problèmes. Puisque l'État guinéen est à ce jour en butte à plusieurs contentieux juridiques devant les juridictions internationales du fait des violations des articles 13 relatifs au code minier foncier de Nominal. L'État guinéen de Alpha Condé commet des graves forfaiture en modifiant, en violation des dispositifs de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs, voilà, et la loi organique portant la composition, organisation et fonctionnement de l'institution nationale indépendante, ouais, violation récurrente des droits de l'homme, programmation et persistance de la fièvre hémorragie Ebola. En même temps, le gouvernement du professeur Alpha Condé aussi accuse, il nous se dit, vraiment appelle à l'opposition au dialogue, mais tout en restant, en respectant les décisions de la CENI dès lors qu'elles ont été prises à la majorité de ses membres, qu'elles respectent la Constitution et les fondamentaux démocratiques. Alors, on ne comprend pas plus rien qui respecte la Constitution pour nous ici. Voilà, chers auditeurs, voilà, je vais vous faire écouter l'audio de M. Sidia Touré pour ceux qui viennent de se connecter, avant de passer la parole à M. Mohamed Traoré qui va nous donner son input. La présidentielle est prévue au mois d'octobre. Le calendrier électoral a été récemment dévoilé et il est rejeté en bloc par l'opposition. Les dirigeants de trois principaux partis, trois anciens premiers ministres, ont signé aujourd'hui à Paris une déclaration commune. Ils ne reconnaissent plus ni la commission électorale ni le président Alpha Condé et ils appellent à manifester contre lui. N'y a-t-il pas un risque de violence? Écoutez Sidia Touré, il était notre invité tout à l'heure. Nous essayons de faire en sorte que la démocratie soit respectée dans notre pays. Depuis l'installation de ce régime il y a 5 ans, imaginez-vous, nous n'avons pas pu tenir des élections communales qui étaient prévues depuis 2011. Il a fallu 2 années de manifestations, 60 morts pour qu'on arrive à des élections législatives en 2013 et tous les engagements pris, notamment la mise en place du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, ainsi de suite. Tout ceci a été absolument bloqué par la présidence de la République. Ça veut dire que vous rêvez d'un scénario à la Burkinabé, c'est la seule arme qui vous reste là? Pas du tout, nous souhaitons simplement que nous ayons la possibilité d'avoir une alternance cette année en Guinée, c'est la volonté du peuple de Guinée, pour cela il faut que le processus soit respecté. Malheureusement, tout ce qui se met en place aujourd'hui tend à faire croire que nous voulons proroger le régime que nous avons et qui entraîne notre pays dans le déclin. Mais le président a bien maintenu dans le calendrier, en tous les cas, la présidentielle qui aura lieu au mois d'octobre. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel finalement? Non, malheureusement, ce sont les élections à la base qui sont l'essentiel. Quand les termes sont échus pour les mandats des maires et des conseils communaux,
Ces élections devaient se tenir en 2011. Ils ont une implication directe dans le processus électoral pour les élections présidentielles, mais surtout, ils ont été remplacés par des délégations spéciales du RPG, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui va pouvoir manipuler les résultats des élections présidentielles. Mais la présidentielle, elle, en tous les cas, est bien fixée pour la fin de cette année. Est-ce que vous seriez prêt à présenter un candidat commun avec nous, les nous autres membres de l'opposition? Pas encore arrivé. L'essentiel, c'est que ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est ce à quoi nous travaillons. Et nous souhaitons pour cela que la mobilisation soit totale pour que Alpha Condé comprenne que nous n'allons pas continuer à voir notre pays aller dans ce sens. Même sur le front d'Ebola, je vous donne les derniers chiffres aujourd'hui, nous sommes le pays en rade aujourd'hui. Obama l'a dit il y a un mois, nous avons encore 49 morts en Guinée la semaine passée, alors que le Libéria et la Sierra Leone s'en sortent. Et si on revient à ces élections, vous parlez d'alternance, vous appelez à l'alternance, mais on le sait en Guinée, quand il n'y a pas un candidat unique, c'est difficilement réalisable. Vous n'êtes pas prêt à vous désister pour prendre ce candidat? Nous y travaillons et moi j'espère que nous y arriverons. De toute façon, la raison l'emportera. Si les élections sont transparentes, Alpha Condé ne pourra pas renouveler son mandat à la fin de cette année. Radical le Messie. Non, et si c'est comme ça, c'est que les politiciens on a sa marre. On va vous dire la vérité. On sait tous où découvrir les problèmes. Vous nous régnez, vous nous faites quoi que ça fait sous-sous. Avec des peuples malingués, mais ça c'est faux. C'est vraiment faux. Les enfants du pays sont là, sont en travail. International, dans l'émission Sous le Baobab de tous les mercredis. Voilà, je vais partir du côté de Chicago prendre mon frère Monsieur Mohamed Traoré. Monsieur Mohamed Traoré, bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la grande radio. Je dis bonsoir. Comment allez-vous? Depuis Boston, Badi, Monsieur Bangoura et tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Le débat est intéressant. Je crois que ne soyons pas partisanistes si vous parlez de sincérité. Voilà. Soyons pas partisanistes. Essayons de discuter purement et simplement guinéen et politique. Parce que nous sommes en politique. Ici, le problème de l'opposition, je comprends. Il ne peut pas y avoir les élections communales, communautaires, municipales cette année en République de Guinée. Ce n'est pas possible. Voilà. Pour coupler les deux, il faut faire un toilettage total de la liste des élections précédentes, afin que le nouveau, comment on appelle, la nouvelle compagnie qui a été recrutée, la Gemalto ou bien quoi, va reprendre maintenant les services. Ça, c'est un d'abord, un premier cas. Maintenant, il faut faire un nouveau découpage. Ça, ce serait le travail de Gemalto. Et maintenant, il y a
les candidats, les personnes qui doivent être élues maintenant dans ces sections-là, il y a à peu près 341 personnes entre les CRD, les maires et puis les représentants spéciaux et tout ça. Donc, quand tu mets tout ensemble, c'est quelque chose qui va dans l'ordre de 341 personnes, y compris les 5 communes de Conakry, les maires et tout ça. Donc, ça, ce n'est pas un travail du jour au lendemain. Et ça, ça prend combien de temps? S'il faut élire d'abord 38 maires, les CRD, et puis tous ces représentants qui doivent être là, y compris aussi encore les chefs de quartier, ça pose problème. Et ça, c'est un travail qu'on ne fait pas à la hâte, comme dans le temps on le faisait. Le rôle de ces maires-là dans le temps, c'est eux qui distribuaient les cartes, c'est eux qui faisaient tout ce que, comment dirais-je, le code électoral demandait. Ils avaient beaucoup à faire. Cette fois-ci, il y a un comité qui est chargé pour ça, pour la distribution des cartes. Ces représentants des communes, des chefs de quartier n'ont plus ce travail. Donc maintenant, si la Guinée, il doit y avoir un nouveau découpage encore des communes, il doit y avoir encore de nouveaux maires, il doit y avoir encore de recensements encore pour voir combien de personnes il faut augmenter sur les CRD et sur les mairies. Quel quartier maintenant qui a besoin de... Quelle région qui a besoin de 2 maires? Quel quartier qui n'a pas besoin de 2 maires? Par exemple, il y a une discussion qui est aujourd'hui à Kankan. La ville de Kankan trouve que en tant que région, et un maire ne les suffit pas. Il leur faut 3 maires. Sinon 2 à la fois. À la 3 maires pour quelle ville et quelle ville? Pour la ville de Kankan. Parce qu'il faut voir Carrefouria est tellement grand et ses alentours, et la ville de Kankan elle-même, et aussi encore la province. Donc maintenant, si Kankan ne peut pas réellement avoir 3 maires, mais il leur faut 2, et en plus de ça aussi, des CRD dans ces sous-préfectures. Donc, ça, mais est-ce que la constitution permet de donner 2 ou 3 maires à une région naturelle? C'est tout à fait normal. Si là, une commune peut avoir un maire, pourquoi pas la région? Donc ça, ce sont des discussions qui sont là. Tu peux être sous couvert, c'est dans le temps, comme à Pita. Aujourd'hui, il y a des grandes îles qui sont créées à côté de Pita, telles que la ville, là, comment on appelle, Timimbanina. C'est une très grande ville. C'est une très grande ville, mais c'est elle sous-préfecture de Pita. Maintenant, si Timimbanina devient tellement grand, à tel point que peut rivaliser Pita et tant, ils peuvent demander leur maire, ils peuvent quitter, c'est-à-dire... Alors, ils peuvent devenir une préfecture. Une préfecture, au lieu que ça soit tout simplement sous couvert, sous préfet et tout ça, sous préfecture et tout ça. Donc maintenant, ça, ce sont des grands travaux qui demandent non seulement beaucoup de déplacements, beaucoup de choses à faire. S'il doit y avoir un dialogue maintenant, je crois que c'est ça là qu'on doit essayer de préparer. Après les élections, entamer cela. C'est là où le dialogue doit être sincère. Mais M. Traoré, mais vous évoquez des très bons points là. Mais est-ce que, si, au lieu d'attendre après les élections, si le gouvernement appelle au dialogue, les points que vous êtes en train d'élaborer là, c'est pas maintenant, il n'est pas temps pour eux de mettre ces points-là sur la table afin que nous puissions discuter. C'est très simple. Puisque c'est quelque chose qu'on peut discuter, le chronogramme de la CENI, et puis pourquoi on ne peut pas faire des élections communales avant les présidentielles. Les deux partis sont assis avec des arguments comme ça, c'est discutable. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas le faire? Non, c'est-à-dire, vous et moi et tous ceux qui sont à la radio, c'est nous qui sommes pris en otage. C'est-à-dire, les deux partis, les deux protagonistes savent ce qu'ils font. Mais c'est simplement, toi et moi, ils veulent que nous, on continue à susciter entre nous, à s'entregueuler, mais ils voient réellement où il y a la vérité. Le gouvernement savait que ça, c'est son devoir d'organiser cela. Il l'a ignoré. Mais qu'est-ce qui empêchait maintenant l'opposition depuis lors, en 2011, de mettre ça sur la table? Au lieu de se battre seulement pour la législative. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. La mauvaise foi de l'opposition guinéenne et leur mauvaise volonté politique
a fait les affaires tellement de mal, à tel point que tous les points revendicatifs qu'il pouvait y avoir contre le gouvernement guinéen, ils ont tout échoué. Supposons qu'ils avaient maintenu à ce que les chefs de commune soient maintenus et que au moment où on était en train de remplacer les délégations spéciales, maintenant, ils demandaient que, bon, avant qu'on va essayer de mettre les délégations spéciales, on n'a qu'à faire une élection pure et simple. On n'a qu'à annuler, attendre d'abord pour les législatives et tout ça. On fait l'élection communale, on installe les maires, on installe des délégations, on fait tout. Et après, maintenant, on se bat pour avoir maintenant législative. Après la législation, maintenant, il n'y avait aucun problème. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont voulu? Il faut empêcher, c'est-à-dire il faut avoir la majorité parce que pour eux, en faisant ces manifestations contre Alpha, pour eux, Alpha n'était plus populaire en République de Guinée. Donc si jamais ils obtenaient à faire les élections législatives, ils allaient avoir la majorité et ils allaient avoir maintenant un code qui allait bloquer Alpha à ne pas pouvoir se présenter en 2015. Voyez-vous? Non, c'est cette mauvaise calcul de probabilité qui les a trouvés. Ils ont eu à faire cela et ça n'a pas marché pour eux. Aujourd'hui, il faut revenir encore en arrière, dans le temps de l'ancien régime, puisque c'était les chefs de quartier et tout ça qui détenaient les cartes électeurs, qui distribuaient les cartes électeurs. Donc on pouvait faire tout ce qu'on voulait, puisque je suis de ton camp. Donc si j'ai les cartes, même si quelqu'un qui n'est pas pour moi, mais qui n'est pas pour toi, que je ne veux pas qu'il vote, je ne vais pas lui donner sa carte. Même s'il a son nom, il a enregistré, il a tout. Mais s'il vient que je ne veux pas, il sait qu'il n'est pas pour moi. Pourquoi je vais lui donner sa carte? Ce sont ces choses-là qui se passaient dans le temps. Mais cette fois-ci, il n'y a pas cela. Donc, eux, ils veulent se battre maintenant pour que ces messieurs-là soient réinstaurés ou bien réinstallés dans leurs droits, dans leur fauteuil, afin qu'on puisse faire ce genre de travail. Mais ce n'est pas réellement qu'ils veulent réellement que les communes soient, les préfectures, les communes, ou bien les cités aillent tous leurs représentants. Ce n'est pas dans ce sens. C'est le calcul qu'ils en ont. Maintenant, je veux dire, si, donne-moi une minute, si jamais le gouvernement s'entête et qu'ils font maintenant, ils engagent ce travail, ça va prendre plus de 6 à 5, 7 mois pour qu'on en finisse avec ça. Et dès que, avant que cela va arriver, le gouvernement Alpha Condé va rentrer dans l'illégitimité de son mandat. Ça peut hypothéquer maintenant sa candidature, voire même sa présidence. On est bloqué comme ça, puisque si l'opposition aussi n'arrive pas à se comment les gens, le peuple pourra voter? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cette raison que la femme l'a posé la question selon la Constitution. Si la date des élections présidentielles est bel et bien maintenue, c'est ce qui est l'important. Donc en faisant cela, on va maintenant sur les modalités, comment on peut avoir les mairies, comment on peut avoir les communes. Mais M. Traoré, là, si on implique la communauté internationale, moi, je crois que, quelque part, tout ce qui est en train d'arriver à la Guinée comme ça ne devrait pas nous arriver si on respectait la Constitution depuis 2010. Après les élections présidentielles, organiser les élections législatives. Le problème ici, c'est quoi? Faut pas écouter. Et pourquoi on est arrivé là? Le problème, c'est ça le problème. Pourquoi on est arrivé là? Il y a des arguments de part et d'autre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça? C'est pour cette raison que je demande un dialogue sincère. Le gouvernement n'a qu'à appeler un dialogue sincère. Le problème de Kono sous la table, avec des arguments que vous êtes en train d'avancer comme ça, et puis en discuter. Attends. C'est-à-dire, quand vous dites constitution, il n'y a pas de constitution, il n'y a aucun article constitutionnel ici qui est violé. Non. C'est-à-dire, les élections qu'on est en train de faire en ce moment, ces messieurs-là n'étaient plus dans les normes avant l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. D'accord, monsieur Traoré, restez dans le débat. Voilà. Je vous informe. L'opposition parle seulement que de la Constitution, violation de ceci, violation de cela, violation de ceci. Il faut envoyer, s'il y a n'importe quel opposant guinéen
Vous avez mentionné le président Sidia sera l'invité de la basse côte France fréquence le vendredi oui, à partir de 16h. Nous, le plus souvent, on ne gagne pas la parole. Mais voilà, non, il sera là, vous allez gagner la parole ce jour-là. Voilà. Vous êtes libre de poser n'importe quelle question au président Sidia. Il sera là pour une heure de temps. Je vous rassure que M. Madu Camara vous donnera la parole de ce jour-là. Vous allez poser n'importe... Je veux que, parce que celui-là, il y a les deux personnes qui sont à Paris, il y a les deux qui font des très bonnes analyses et puis des très bonnes questions. Supposons que je ne suis pas là ou bien il y a le temps qui me prend, mais je vais faire un effort pour être là. Je voudrais qu'ils amènent la constitution guinéenne selon les codes électoraux et puis tout ce qu'il y a à faire. Que s'il y a, nous dit, voilà, telle partie de la constitution guinéenne, selon les élections en République de Guinée, qui était violée par ce gouvernement, il n'en aura pas. Ce serait seulement que des commentaires ou des paroles à dire, politiciennes, des paroles politiques politiciennes. Mais il n'y a aucune constitution qui est réellement violée ici. Ça, je vais vous le dire. Mais c'est d'accord, on verra tout à l'heure si les autres seront d'accord avec vous. Nous sommes à 35 minutes de la fin. Et voilà, M. Traoré reste dans le débat. Je vous informe que le nom de l'émission de lundi, votre proposition, les deux propositions ont été retenues. Merci beaucoup. Je remercie l'auditoire qui nous a fait back-off. Voilà, donc retrouvailles sur les échos de la cité. Donc, M. Mohamed Traoré et M. Mohamed Bangoua ont gagné. Voilà, donc c'est leurs propositions qui ont été retenues. Désormais, l'émission de lundi s'appellera Retrouvailles sur les échos de la cité. Voilà. Donc, monsieur, salut Barry, vous avez quelque chose à ajouter avant de prendre monsieur Lamine Condé? Voilà. Léo, j'ai suivi l'intervention de mon frère, monsieur Traoré de Chicago. Oui. Mais c'est vrai que l'opposition et la mouvance, le gouvernement, ils sont tous... c'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Et surtout qui? Le gouvernement. Parce que s'il y avait la volonté du gouvernement, rien n'empêchait le professeur Alpha Condé depuis 2010 à organiser les élections communales. Rien ne l'empêchait. Et puis, ce que je reproche aussi, je regrette de la part de l'opposition, depuis 2010, ils n'ont pas soulevé ce problème des élections communales. Eux, ils savaient déjà que depuis 2000, les maires qui étaient là, depuis 2000, ils étaient là depuis 2005. Leur mandat a expiré au moment où le professeur Alpha Condé a pris le pouvoir, en 2010. Donc, à partir de 2010, normalement, leur mandat devait être renouvelé. Mais le professeur Alpha Condé ne l'a pas fait. Il a attendu. Il a traîné et personne ne l'a interpellé. L'opposition est là, ils se sont battus pour les élections législatives, pas pour les élections communales. Donc, là, c'est une erreur de leur part. C'est une erreur de leur part. Maintenant, si M. Traoré nous dit que aucune partie de la Constitution ne fait allusion aux élections communales et communautaires, là, je ne serais pas tellement d'accord parce que c'est bien dit. C'est bien dit que chaque 5 années, les collectivités, les élections communales doivent se faire. En 2005, on les avait fait. On les a fait en 2005. Mais pourquoi pas le professeur l'a passé en 2010? C'est une question qu'il faut se poser. C'est un manque de volonté de la part du professeur Alpha Condé. Qu'on se dise la vérité. Donc, maintenant, moi, je suis sûr et certain que l'opposition ne discute pas la date du mois d'octobre. Mais organisons les communales d'ici octobre, c'est faisable. Si vraiment le gouvernement a la volonté de le faire, ils peuvent le faire, Léo. Ou bien la seule alternative que moi j'ai vue, c'est de repousser un peu les élections au mois de décembre, les élections présidentielles, parce que bien que la Constitution nous dit, on a vu au Nigeria, quand il y avait un problème au nord avec Boko Haram, ils ont repoussé les élections présidentielles. Cela veut dire que s'il y a un dialogue franc qui peut s'établir entre la mouvance et le gouvernement et l'opposition, les élections-là peuvent être repoussées compte tenu de certaines circonstances
comme l'a fait le Nigeria. Donc, tout ça, c'est les négociations. Mais quand ils disent que il faut que nous partons sur ce que la CENI a dit, moi je dis que quand tu viens à un dialogue, tu ne viens pas prédisposé. Aussi, tu viens prédisposé à un dialogue. Maintenant, où est le but de ce dialogue-là? Quand tu me dis, ah, vous venez, on va s'asseoir sur la table, mais en tout cas, nous, c'est ça. Mais à quoi bon encore maintenant le dialogue? On vient au dialogue pour que tu laisses quelque chose, je laisse quelque chose, on tombe sur un terrain d'entente et puis on va. Mais si tu viens déjà prédisposé à un dialogue, ça sera un dialogue de sourds, Léo. D'accord. Non. Merci à vous, Barry, mon ami Salih Oubari. Monsieur Barry, je n'ai pas dit que la constitution ne prévoyait pas. Je vous informe que Monsieur Sidya Touré sera là, notre invité, et l'invité de la Basse Côte France le vendredi. Oui. Comme vous le savez, cette émission. Non, en ce moment-là, après la mosquée Nel, je viens de connecter. C'est-à-dire, je voudrais remercier mon frère ici. Ouais. Voilà des dialogues, des débats que j'aime. Mmh. Il vient de parler une proposition que j'apprécie. C'est-à-dire que toute la classe politique s'assoit et qu'on fait de ça. Parce qu'une fois que la classe politique est d'accord sur un cas, c'est comme si ça devient un amendement de la Constitution. Au lieu que on va organiser les élections maintenant à partir du mois d'octobre et qu'on a eu tous ces problèmes, repoussons maintenant la date des élections présidentielles au mois de décembre et organisons d'ici là les élections communales. Qu'on amène ça, on met ça sur la table, mais bien avant cela, qu'on fait un amendement de la Constitution et que tous les partis politiques s'y mettent d'accord sur ça. C'est là qu'on appelle un dialogue. On n'a pas besoin de faire un amendement de la Constitution. Il faut faire un amendement parce que pourquoi? Mais au Nigeria, ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait un amendement. Le cas du Nigeria, ils sont toujours en guerre. Mais comme il y avait déjà des forces d'interposition venant de Tchad et puis de Niger, ils ont jugé bon que ceux-là, ils vont les aider beaucoup. Donc, ils pourront faire les élections au lieu de mois de mars, en mois d'avril. Mais la Guinée a été frappée pendant près de un an d'une maladie qui est presque rayée. Et la Guinée ne va pas prendre plus de 45 jours encore, ou bien deux mois pour l'Ebola. Donc, monsieur Traoré, monsieur Salih Oubari, merci à vous. Je vais prendre monsieur Lamine Condé pour son input rapidement, avant de prendre monsieur Kourouma. Donc, monsieur Lamine Condé, nous sommes à 30 minutes de la fin. Et je vous informe que M. Sidya Touré, le président de l'UFR, sera notre invité, l'invité de M. Madi Camara, Radio Basse-Côte France, le vendredi à partir de 16h. Moi, je vous retrouve le même vendredi dans l'émission Afrique Express. Comme la tension continue à monter, nous allons toujours rester dans le cadre de la situation politique de notre pays. Voilà, en cherchant, et c'est nous qui devrons pousser à cette classe politique de venir autour d'une table, puisque nous ne voulons pas des problèmes chez nous. Voilà, c'est comme ça que nous... Mais, comme ce que Salih a dit, c'est une proposition. On peut repousser les élections pour nous permettre de faire les deux ensemble en amendant la Constitution. C'est nous qui avons fait ces constitutions. On peut les modifier. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Lamine Condé, vous avez l'antenne. Alors, bonsoir, M. Léo. Comment allez-vous? Vous, mon frère. Bon, et je voudrais avant tout vous demander de faire attention lorsque vous aurez M. Sidya Touré. Oui. Et donner la parole à ceux qui savent demander de façon respectueuse pour ne pas qu'on l'insulte. Non. Tout le monde, chacun aura le droit de la parole ce jour-là. Il n'y a pas de problème. Sidya est un leader politique. C'est une parenthèse. Voilà. C'est une parenthèse, je dis. Parce que M. Camara ne nous connaît pas. Oui. Alors, il faut faire attention en donnant la parole aux gens. Merci beaucoup. Alors, je voudrais commencer par dire à M. Traoré que ce n'est pas la classe politique qui amende la Constitution. Ça n'a rien à voir, c'est constitutionnel. Quand on parle d'amendement, ce n'est pas un individu qui amende. On fait une proposition de loi venant des députés ou un projet de loi venant du gouvernement. Donc, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et qu'on demande la Constitution. C'est pour son information. Alors, et mon frère,
Mon frère a dit tout à l'heure que... quand moi je parle, il faut m'écouter. Si tu ne m'as pas écouté... Je ne vais pas te couper la arrêtez parole. Arrêtez de couper quand les gens. Dis, non, arrêtez je ne... De... Non. Non, mais je n'ai pas demandé que la classe politique fasse un amendement de la Constitution. Mais si la classe politique est d'accord avec. Maintenant, d'accord, M. Traoré. M. Lamine Kondé, vous avez la parole. Il ne faut pas déformer ma parole. Alors, c'est pour me couper encore, M. Léo, alors que je n'ai pas fini. D'accord. Ben, vas-y. Merci. Alors, je disais que il y a mon frère qui discutait avec M. Traoré a parlé de. Du cas du Nigeria, sur ce plan, je suis d'accord avec M. Traoré, et lorsque on est en guerre, lorsqu'il y a une situation extraordinaire... M. Saliou Bari qui a parlé le cas du Nigeria. Voilà. Donc, lorsque il y a une calamité naturelle dans un pays, obligatoirement, on repousse les élections. Donc, c'est vous ça savez, qu'on appelle les cas de force majeure. Les cas de force majeure. Vous savez, M. Léo, il y a ce qu'on appelle la loi, il y a ce qu'on appelle ce qui doit être. Alors, ou ce qui devrait être. Maintenant, le cas du Nigeria, et moi je pense que quelle que soit la mauvaise foi de l'opposition, je pense que lorsque le pays est affronté ou confronté à une guerre, et c'est obligatoire que on repousse les élections en vue dans le pays. Alors, c'est comme s'il y a un tremblement de terre ou bien une maladie dans une région. Dans un pays, obligatoirement, il faut repousser. Mais le cas guinéen, il n'en est pas question de s'entendre pour faire un amendement, il n'en est pas question. Alors, il n'en est pas question de repousser les élections en décembre, parce que la loi est claire en Guinée. Alors, par application à l'article 28 de la Constitution, il faut aller aux élections présidentielles avant la fin du mandat présidentiel. C'est dans la Guinée, c'est le 20 décembre. Alors, M. Bangoura, la question n'est pas sur les élections présidentielles. La CENI est en phase avec la loi. Elle n'a pas proposé de date, elle n'a fait que se conformer à la loi par application à l'article 22 de notre Constitution. La question se trouve où? Lorsqu'ils sont allés autour de la table pour avoir des accords, du consensus sur un certain nombre de points. Alors, à cette rencontre, la question des élections communales communautaires n'était pas à l'ordre du jour. C'est par après qu'ils se sont rendus compte qu'il faut en parler, il faut y serrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés d'accord, ils ont signé, ça a trouvé que cette Guinée n'était plus en Guinée, mais il s'est fait représenter par... si vous voulez, quelqu'un qui est proche de lui. Alors, autour de la table, il y avait le représentant de M. Sadi Chérif, le représentant du gouvernement et le représentant de l'opposition, ainsi de suite. Donc, ils ont mis cet accord-là vers ce qu'on appelle les annexes. C'est ce qu'on est en train de sauter. Il y a eu les accords, il y a aussi les annexes. Sur ces annexes-là, donc parallèlement aux accords, ils ont signé comme quoi il faut avoir les élections communales communautaires au premier trimestre 2014. Ils ont signé, ils sont tombés d'accord. Et ils ont fait parvenir les copies à toutes les parties concernées, y compris le gouvernement. Alors, si vous vous rappelez, M. Bangoura, lorsque le porte-parole du gouvernement était dans les grandes villes, il a dit que la signature du représentant du gouvernement n'engage que celui qui l'a signé. Vous voyez combien de fois on est de mauvaise foi et on fait honte à la nation. Lorsque on dit, le porte-parole d'un gouvernement légal dit que la signature... Mais qui avait signé cet accord-là? Mais ils ont envoyé comment s'emparer.
Son pari. Donc, ils veulent nous dire que son pari n'est pas un représentant du gouvernement. Non, ils ont dit qu'il est un représentant du gouvernement, mais sa signature n'engage que lui. En tant que facilitateur. En tant que, non, premièrement, en tant que facilitateur. Deuxièmement, en tant que représentant du gouvernement légal de la République de Guinée. C'est que c'est extrêmement dangereux, ce genre de propos. Lorsque un ministre de la République, de surcroît, le porte-parole du gouvernement légal, dit que la CFP de mon représentant ou bien de mon institution n'engage que celui qui a signé le document. Ils ont dit qu'ils ne sont pas obligés de respecter une signature en annexe signée par un représentant. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est dangereux. Alors, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec la paix dans un pays, qui n'ont rien à voir avec la parole donnée. Lorsque M. Bangoura vous signez un document, il y a deux choses par rapport à cette signature-là. La signature, votre signature vous identifie. Deuxièmement, votre signature engage votre responsabilité ou la responsabilité de celui qui vous a envoyé, ou bien si c'est vous et la partie engagée, la signature engage votre personnalité, votre identité et votre responsabilité. Donc, en signant au nom du gouvernement, au nom de l'État, c'est engager ou faire engager l'État. Alors, moi, M. Traoré a parlé de sur des maires tout, qu'on peut pas avoir, ou on peut avoir trois maires ou bien. Mais tout ça, c'est bien dit. La question n'est pas là. Ce que je veux dire à M. Traoré, il y a ce qu'on appelle de la communication. Il faut communiquer. Et ce que M. Traoré est en train de dire, vous n'aurez aucun commissaire de la CENI depuis le début de cette guerre-là qui est venue, et choses dans les médias expliquées. Ils ont appris tout ce qu'il a dit, ils l'ont appris de Damaro. C'est le seul qui a inventé ces technicités-là. Alors, le problème en Guinée, tout le monde est technicien, tout le monde est économiste, tout le monde est juriste, tout le monde est tout. Les commissaires de la CENI, ils sont en train de travailler à l'intérieur, à Conakry, à l'intérieur. Ils sont la CENI actuellement. Oui, ils sont en train de travailler. Alors, vous voyez, d'accord. C'est quand même extraordinaire quand on explique les choses. Et oui. c'est, techniquement, ce n'est pas possible. Alors que nos commissaires sont assis, personne n'est venu dire non, techniquement, on ne pouvait pas. Mais là, c'est ce qu'ils ont. Damaro a inventé encore, il a parlé d'Ebola. Parce qu'il a dit que oui, on devrait organiser le communal dans le premier trimestre de l'année 2014. Que mais, on a eu Ebola. Mais, M. Bangoura, si vous m'envoyez à mission en Guinée, Il y a un cas de force majeure. Qu'est-ce que je fais? Vous m'envoyez en Guinée pour avoir une négociation coûte coûte. Maintenant, il y a un cas de force majeure. Qu'est-ce que je fais? Mais je remonte la nouvelle. Je vous dis, M. Bangoura, je suis venu en mission pour signer tel, mais il y a un cas de force majeure et techniquement, je ne pourrais pas signer. C'est aussi simple. Il fallait venir devant le peuple parce que les commissaires de la CENI sont à la CENI au nom du peuple et pour le peuple. Mais il faut expliquer, c'est très simple. Ah, on devrait, c'est selon les accords, on devrait organiser les choses, les communales, les choses au premier trimestre de l'année 2014. Mais malheureusement, il y a un cas de force majeure, il y a la maladie, donc on ne pourra pas tenir. C'est aussi simple. Je suis de l'opposition, j'aurais compris. J'aurais dit, ils sont venus très tôt expliquer. Alors, quel que soit pays, et il faut le croire parce qu'il y a une maladie. Maintenant, on se tait. Il y a quelqu'un qui a dit que, je crois que c'est M. Barry, pour terminer, que la faute, c'est à l'opposition parce que l'opposition savait que ces délégations spéciales, ces conseils communaux, ce sont illégaux. Et l'opposition a accepté qu'on aille aux législatives. Mais attention, je renvoie M. Barry à l'article 45 de la Constitution de notre pays. Il dit que c'est le président de la République qui veille au respect de la Constitution, au respect des lois et des règlements nationaux et internationaux. C'est clair.
D'accord. C'est clair. Et l'article, pour terminer, mm-hmm. c'est un coup de droit. L'article 35 de la Constitution mm-hmm. a permis à M. Alpha Condé de jurer sur la Constitution, à respecter la loi, la Constitution, et d'accord. de la faire respecter. C'est aussi simple que cela. Voilà, mais d'accord, on reviendra sur ça tout à l'heure, M. Condé. Moi, je peux jurer la loi. En tout cas, moi je n'appelle pas la déclaration de la mouvance recul. Hein. La mouvance, par son porte-parole, le gouvernement, par son porte-parole, demande au dialogue. Mais tout en insistant, ils vont respecter la décision de la CENI. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Amara, M. Kourouma, voilà, M. Kourouma, mon frère Kourouma. Ali Barrera Kourouma, l'homme perdu, est revenu, et sera le dernier auditeur de ce soir dans cette émission. Et nous vous rappelons que nous avons des émissions les lundis, et mercredi, et vendredi et les samedis. Voilà, les émissions des lundis, c'est Retrouvailles sur les Échos de la Cité, une nouvelle émission tous les lundis à partir de 21h. Les mercredis, l'émission sur le Baobab continue. Les vendredis, c'est l'émission Afrique Express à partir de 21h. Mais avant... Et les vendredis, comme vous le savez, la Basse-Côte France a ses émissions à partir de 16h, qui correspond à 21h heure de Paris. Les samedis, c'est l'émission La Guinée et le Développement. Nous sommes à l'approche des élections, mais comme vous le savez, nous allons couvrir vraiment cette crise, cette discorde-là qui se trouve entre la mouvance et l'opposition jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors, je vous remercie de votre fidélité à la grande radio. Monsieur Kourouma, Ali Badara sera le dernier auditeur de ce soir pour me permettre de balancer cette émission sur YouTube et sur Internet. Vous pouvez critiquer les émissions maintenant sur notre page Facebook avec les vidéos de YouTube. Alors, Monsieur Ali Badara Kourouma, rebonsoir mon frère, bienvenue encore à la grande radio, la Basse-Côte internationale. Vous aurez l'opportunité de fermer cette émission de ce soir. Merci, M. Bangoura. Bonsoir, les auditeurs et les panélistes de la grande radio. Mais il ne faut pas que moi je ferme parce que Lamine Kokonde va venir attaquer après. Donc, vaut mieux que Lamine Kokonde ferme parce que tout ce que tu dis, il y aura quelque chose à dire après. Donc, merci à vous. Je vous écoute souvent, même si je ne participe pas, parce que le débat guinéen, vous le savez très bien, c'est très difficile, ça fait près de 4 ans, 5 ans, nous sommes dans la même dynamique, c'est toujours chien et chat. Chacun ne veut pas vous laisser, tout le monde est dans vraiment un mouvement, Alpha avance, Alpha n'avance pas, il faut chasser Alpha, ceci, cela. Donc moi, les débats là maintenant, vraiment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais quand le sujet, il est important, des fois, on peut venir donner notre point de vue. Donc, je dis à mon frère Lamine Kokonde d'abord qu'on avait demandé à l'AFC Loco son mandat à la tête de l'UFDG inspiré. Il a posé le problème de Ebola. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Lui, il est un président illégitime. Donc, il veut le pousser Alpha Condé à être illégitime. Non, lui, il va respecter la Constitution, non, mon frère. Vous le savez très bien. L'organe qui organise les élections en Guinée, c'est la CENI. La CENI a donné un chronogramme des élections. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, venez vous asseoir, vous discutez. C'est très simple. Mais comme eux, ils sont toujours en va-t-en-guerre, Alpha Condé est illégal, on doit chasser Alpha Condé. Mais ce n'est pas possible, M. Léo. Ça fait près de 5 ans. Alpha ne fera pas 3 mois. On a eu un attentat pour le tuer. Les élections législatives ont été traînées pendant près de 3 ans. Le CENI n'est pas bon. La CENI, on ne va pas revenir sur tout cela. L'opposition a toujours allé à gauche. Ils n'ont jamais trouvé ce qu'ils veulent. Parce que pour eux, c'est la population qui va venir s'ajouter en eux pour chasser Alpha Condé. Mais moi, je le dis. Il y a une grande majorité silencieuse qui est là, assise, qui les regarde aussi, ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est bon pour le pays, et si ce n'est pas bon pour le pays. Heureusement, ils ne sont pas suivis.
c'est les militants d'un seul parti qui est là et qui sort. Voyez-vous? Donc pourquoi les gens-là ne viennent pas s'asseoir à table? Parce qu'ils le savent très bien, M. Lileo. Après les élections de 2015, ils sont partis à la retraite. Nous allons voir une nouvelle génération de politiciens, comme les Oulamine Kouandé, comme vous, M. Léo, comme les Alisson Gallo qui sont à Chicago, qui crient tous les jours. Vous allez supporter quelqu'un qui ne va jamais gagner pour les élections. Préparez-vous-même. Donc, c'est très, très important que les gens viennent s'asseoir à table, on parle. Les accords, là, moi, je ne rentre pas là-dedans, parce que c'est un faux débat. Si le gouvernement dit qu'il ne vous reconnaît pas, c'est qu'il a reconnu, il a signé, ils ont dit. Croyez-moi, M. Leo, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, je suis convaincu, le gouvernement, là, ne fait rien au hasard. Ils ont des milliers de juristes qui sont là, qui demandent, qui prennent des renseignements. Vraiment, est-ce que ça, c'est constitutionnel, c'est selon le droit, oui ou non, ils le font. Croyez-moi, s'il y a des erreurs là-dedans, ils ne le feront pas. Mais tout ce qui va dans l'intérêt de la Guinée, je pense que c'est ça que le gouvernement est en train de le faire. Et il se base sur les élections communales. Monsieur Léo, moi je vous demande, il veut être maire ou bien il veut être président de la République? Je pense qu'il veut être maire. C'était la même chose. On a tué près de 57 personnes lors des législatives. Moi, je me suis demandé, mais les gens ne veulent être des députés ou bien ils veulent être président de la République. Nos frères sont morts, pères à leur âme. Ça fait bouger quoi au gouvernement d'Alpha Condé? Il y est. Il est là toujours à sa place, strong encore. Donc pourquoi ne pas venir s'asseoir? S'ils veulent des maires ou quoi, on n'est plus dans le temps du général Olansana Conté, ou bien du temps de PDG. Si les maires, les CRD là, ce sont eux qui distribuent les cartes là aux éditeurs, que peut voir un maire qui a près d'un million de cartes d'électeurs chez lui. Il donne à qui il veut. Il remplit ou les urnes. Maintenant, il n'y a plus ça en Guinée. Ça, c'est fini. C'est les démembrements de la CENI qui sont constitués encore par les partis politiques eux-mêmes. Ce sont eux qui vont distribuer les cartes d'électeurs aux dirigeants. Les autres là sont là en tant qu'observateurs. Ils ne font rien, ils n'ont aucun rôle à jouer dans les élections présidentielles ou communales. Où est le D'accord. Voilà, M. Kourouba, nous sommes presque vers la fin. Je vais donner deux minutes à M. Saliou et à M. Lamine Condé pour voir. Ok, 10 secondes. Une seconde rapidement. En plus de ça, ils veulent boycotter, ils veulent faire tout. Mais pourquoi ils amènent leurs représentants dans les démembrements de la CENI encore? Les démembrements de la CENI ont été installés sur tout l'étendue du territoire guinéen. L'opposition est là, l'UFDG est là, l'UFR est là, tout le monde est là. Même Moutar Diallo ne fâché. Parce que lui, on ne l'a pas pour représenter. Il y a celle aussi qui dit sur une radio que Alpha Condé n'a pas présenté ses biens. Ah, ça, je suis très déçu de la part du leader de l'UFDG. Renseignez-vous très bien. Alpha Condé a déclaré ses biens. J'ai même envoyé un juriste qui était à la Cour suprême à l'époque. C'est l'actuel directeur de la communication du ministère de la Justice, Maître Ibrahim Abiyaboui. Il est venu témoigner sur Jacques Roger Sow. Alpha Condé a déclaré ses biens. Mais c'est Alpha Condé de dire publiquement à la Cour suprême de publier. Voilà, d'accord. Merci à vous, M. Alibana. Je vais pouvoir fermer cette émission en donnant le droit de réponse à M. Lamine Condé, à M. Salif et nos Salif Barry du côté de Boston avant de fermer cette émission. Je vous retrouve le vendredi à partir de 21h00 dans l'émission Afrique Express. Mais avant cela, nous recevons M. Sidia Touré qui sera l'invité à partir de 16h heure de New York avec la radio Basse-Côte France. Voilà. M. Lamine Condé, 2 minutes rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Ali Badara? Rapidement, je suis d'accord avec moi. je vais lui faire plaisir. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Pourquoi vous êtes d'accord avec lui? 2 minutes rapidement. On est en train de fermer là. Lamine,
La seule chose que je vais dire. Non, c'est franchement, puisque nous sommes à la recherche de, des solutions, nous sommes en crise là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Namine Ali Badara? Namine, entre parenthèses, la seule chose que je vais te dire, je n'ai vu aucun élément de la mouvance présidentielle qui a insulté un invité sur les zones. Si vous dites de dire à Sidi de faire attention, c'est au contraire les gens de l'opposition. C'est pour cela, M. Bangoura, je m'excuse de prendre du temps. Je refuse de faire venir maintenant les invités sur les radios. Bah, dès qu'ils quittent là-bas, c'est les membres de l'opposition là, qui sont en train de les insulter tous les jours. Donc, ça n'a mais c'est ce que nous avons invité, puisque c'est nos membres du gouvernement, c'est nos leaders politiques, on doit les inciter. C'est pour cette raison, à la radio Bastos International, c'est tellement interdit d'insulter un leader politique ici. Il faut dire aux membres de l'opposition, là, moi je mets tout le monde à défi. Dans une semaine, ils n'ont qu'à envoyer un juriste, un constitutionnaliste ou quoi, dire si le professeur Alpha Condé a violé quelque chose. Moi aussi, je vais amener un juriste et peut faire la confrontation. Parce nous cherchons à inviter M. Bakary Fofana, mais qui nous donne toujours des les travailleurs de la CENI, mais c'est lui, et de lui on a besoin. On l'a appelé plusieurs fois, mais il nous envoie... Bakary ne va pas vous répondre parce que Bakary a un chargé de la communication de la CENI. D'accord. Bakary n'a pas le droit de vous répondre. On va prendre le chargé de la communication de la CENI. Le directeur de la communication, contactez ce monsieur, c'est lui qui est habilité à parler au nom de la CENI. Aidez-nous à voir M. Patédian qui est lui qui est le chargé de la CENI. Le samedi, on va l'inviter puisqu'on a beaucoup de questions à lui poser par rapport à ce chronogramme-là. Voilà. D'accord, M. Lamine, qu'on ait 2 minutes rapidement. Bon, et comme il dit que de faire venir un constitutionnalisme, c'est par rapport à quoi? Vous demandez, il a violé la loi sur quel sujet? Non, Lamine, ce n'est pas un débat entre nous deux. C'est pas un débat, Lamine, donne ton point de vue. Les revendications de... Un débat avec Ali Badara Kourouma, je peux organiser ce débat-là, mais pour le moment... On peut le faire. Je peux faire un débat entre vous pour 1 heure de temps le samedi. On a fait une fois. Le vendredi, et aussi, choisissez entre vendredi et le samedi pour 1 heure de temps, on pourra faire un débat. Il est prêt, il m'envoie. Voilà. Mais on parle toujours de violation de loi en Guinée. C'est toujours la même chose. Il ne porte pas plainte. Et même s'il porte plainte, là où il doit porter plainte, ils ne le font pas là-bas. D'accord. M. Ali Badara, laisse M. Lamine Condé faire ses 2 minutes avant de passer la parole à M. Salif Oubari. Merci beaucoup. M. Condé, allez-y, vous avez l'antenne. Bon, je voulais simplement être situé par rapport à quel sujet, mais comme il n'est pas précis, c'est pas grave. Alors, s'il faut parler de violation, je pense que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Et comme vous le voulez, on va revenir là-dessus. Et je vous dis qu'il y a l'article 119 de la Constitution qui devait être appliqué à M. Alpha Condé très très longtemps. Cet article parle de trahison. Lorsque vous violez la Constitution, on parle de trahison, donc par jure. Ceci dit en passant. M. Bangoura, et je pense que on se retrouve presque tous les soirs pour parler de notre pays. Nous sommes des adversaires politiques, pas des ennemis. Ce qui est important, c'est d'avoir des solutions pour que notre pays puisse s'en sortir. Avec tout ce que nous avons comme potentialité venant du puissant-là, on n'arrive pas jusqu'à présent à en profiter de ces ressources-là par la faute de nos dirigeants. Alors, il va falloir que les consciences de tous les bords se réveillent, se retrouvent pour aider nos parents au pays. C'est vrai, nous sommes à l'extérieur, Dieu merci, et tout le problème, c'est à l'interne. Nos parents sont en train de souffrir, et nos parents, de la mouvance et de l'opposition, tout le monde. La souffrance, elle est partagée. Le bonheur, il est partagé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'entende. Lorsqu'il y a un problème, on en discute fraternellement, intelligemment, pour faire des propositions à ceux qui sont au pays, parce que nous sommes écoutés à partir de l'extérieur. Ouais. Ce qu'il faut reconnaître, ce que je voulais dire à mes frères de la mouvance présidentielle,
il y a la loi, il y a la constitution. La loi permet des négociations pour avoir du consensus. Lorsque vous avez un consensus, vous signez, il y a l'honneur, il y a la signature, il faut respecter la signature. Et l'article 125 du Code civil est clair là-dessus. Quand vous signez les accords, les deux parties sont engagées. Et la Constitution est claire là-dessus par application à l'article 151 pour l'information à mon frère Akourouma. Et lorsque vous signez des accords, il faut obligatoirement les respecter. Je pense que ce qui est quand même regrettable, c'est de sauter sur les annexes et dire qu'il n'y a pas eu question sur les élections communales et communautaires, M. Bangoura. Ils se sont bien, très bien entendus sur les élections communales et communautaires. Ils ont mis cette entente-là dans les annexes. Et ces annexes ont été signées et reconnues par les médiateurs nationaux. Alors, ces médiateurs nationaux, il y a eu de votre côté et de notre côté. Alors, il va falloir qu'on respecte la signature et la parole donnée. Si vous vous démarquez déjà de quelqu'un que vous avez envoyé, je ne sais pas qui va vous prendre au sérieux. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se sont démarqués de M. Alpha Condé, ses barres de fond, parce que simplement, ils ne respectent jamais la parole donnée. Et c'est grave. D'accord. Vous avez dit pour terminer que... On peut faire de ça un débat. Le vendredi dans l'émission en une seconde, M. Kourouma, entre Ali Badara Kourouma et M. Lamine Condé, si vous êtes d'accord, on va choisir un terme par rapport à la constitution, on va le débattre pour une heure de 30 minutes. Voilà, donc une seconde rapidement, M. Lamine, avant de passer la parole à M. Barry. Si vous permettez, je ne veux jamais le débat sur la constitution avec M. Kourouma. Je veux dire qu'il amène un juriste pour avoir un débat, il n'y a pas de problème. Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait comme... Non, mais vous faites comme si je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un juriste. Je le sais. Mais ce qui est important, si la constitution, elle est violée en Guinée, si c'est vrai, les gens qui savent qu'il est violé, ils ne portent pas plainte. Ils ne portent pas plainte où on doit porter plainte. Ça a été tout le fait. Peut-être que c'est vrai. Monsieur Kourouma, je suis d'accord avec vous. Attends, mais l'opposition Monsieur Bangoura, n'est pas là pour ça. L'opposition pense que eux, c'est aller dans la rue, mais est-ce qu'ils ont porté légalement plainte à la Cour suprême si vous permettez, je vais terminer en 10 secondes. En 10 secondes, si vous permettez. Vas-y, en 10 secondes, rapidement, là, et nous, on va fermer. Mais là, vous aurez le temps le vendredi à partir. D'accord, 10 secondes, s'il vous plaît. Et rapidement, 10 secondes, rapidement, Lamine Condé. Je suis d'accord avec mon frère Kourouma, et vous avez le droit, ou en matière de plainte, juridiquement parlant, il y a ce qu'on appelle le délai. Même si votre revendication est fondée, lorsque vous ne respectez pas le délai, purement et simplement, la Cour suprême va rejeter votre plainte ou la juridiction devant laquelle vous avez porté votre réclamation sera rejetée parce que le droit, c'est le délai. Alors, je vais terminer en disant à mon frère Marc que... Non, Lamine, il ne faut pas terminer. Si tel est le cas en ce moment, l'opposition guinéenne est en force, ils ne vont pas parler... Tout à fait. Je vous donne un exemple. Il y a une question de délai. Maintenant, ce délai, ils n'ont pas posé. Voilà maintenant ce que tu dis ici. Tu te pièges chaque fois quand tu parles. Un accord et la constitution font deux cas différents. Il faut jamais confondre les deux. Voilà, vous êtes en train de prendre tout mon temps là. Je vous remercie. Je vais prendre contact avec mon frère Ali Badara Kourouma et puis M. Lamine Condé hors antenne. On va organiser un débat. Nous, peut-être qu'on n'est pas juriste, mais chacun. Je demande la participation de tout le monde le vendredi. Il ne faut pas venir ici de temps en temps. Ce que tu viens de dire n'a rien à voir avec la constitution guinéenne. Non. Merci à vous. On va passer deux minutes à Saliou Barry pour refermer cette émission. Monsieur Barry, vous avez l'antenne.
Voilà, Léo, le débat est intéressant. Quand j'entends mes frères là, vraiment, c'est intéressant, quoi. Ouais. Bon, ok, c'est vraiment, c'est ça, c'est qu'on peut être de bords différents, mm-hmm. mais nous ne sommes pas des ennemis. Ouais, chacun a sa position, chacun défend son parti, c'est normal. Mais, enfin, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Bon, voilà, ce que moi je peux dire ici, d'abord c'est un conseil que je lance à l'opposition. La déclaration du gouvernement, qu'il fasse beaucoup attention, parce que moi maintenant je j'ai un doute quant à la sincérité de ce gouvernement. Parce qu'un gouvernement qui ne reconnaît pas les accords, et aujourd'hui on parle l'accord annexe. Mais écoutez, même les accords qu'ils ont signés, est-ce qu'ils ont respecté ça? On a dit il y avait 20 points dans le premier accord qu'ils ont signé. Dans ces 20 points-là, quel est le point qu'ils ont respecté si ce n'est pas les élections législatives? Donc, que nos frères se ressaisissent un peu, que peut défendre, mais il ne faut pas défendre l'indéfendable. Tu ne peux pas. Il y a un accord qui était là. Il y avait 20 points. Dans les 20 points, citez-moi un seul point à part les élections législatives que le gouvernement l'a respecté. On a parlé d'indemniser les victimes. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Il faut indemniser les commerçants qui ont été victimes des pillages. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Voilà le problème, mon frère. Voilà le problème. Après les accords de 3 jours, 5 jours, ils vont maintenant, ils vont consulter la base. Et leur dire, vous avez allé signer les accords là-bas. Nos militants sont en prison. Ils ne sont pas sortis. Ceci, c'est là. Les commerçants ne sont pas indemnisés. Ils ont dit, quoi toi? Ok. Non, mon frère Kourouma, ça, les accords là, les 20 points faisaient partie. Les accords que le gouvernement a signés. Je ne parle pas de l'accord annexe qui sont aujourd'hui en train de dire les qu'ils n'ont pas signé. C'est ça les engagements. Mais l'accord signé par le gouvernement. Il n'y a pas d'élection communale là-dedans. Oui, mais. Il n'y a pas d'élection communale là-dedans. Dans les je ne nie que pas. Le gouvernement a signé avec Saïd Dikeli. Vérifiez, on a lu Jacques Roger, je m'excuse, Jacques Roger a lu sur les zones entièrement. Il n'y a pas oui, de. Oui, mais mon frère Kourouma, je ne vous parle pas de l'accord annexe. Moi, je vous parle de l'accord que le gouvernement même a signé. Il y avait 20 points. Dans ces 20 points-là, moi, je ne parle pas de l'accord annexe. Donc, vous parlez des élections. Moi, je vous parle de l'accord que le gouvernement a signé. Parce que d'accord, moi, je n'ai pas. D'accord, donc, M. Salou Barry, vas-y, une minute. Tu n'as qu'une minute pour couper la bouche. Voilà, donne-moi un point pour que le gouvernement ne l'a pas respecté. Mais, M. Kourouma, toi aussi. M. Kourouma, vous aussi, je vous dis, il y avait 20 points. Parmi les 20 points-là qui étaient signés, c'est un seul point que le gouvernement a reconnu, a respecté l'élection, les législatives. Seulement les législatives, mais les autres 19 points, ils ne les ont pas respectés. Parce que c'est la vérité, mon frère. L'opposition a fait tuer 57 les accords de 3G étaient sur quoi? Infiniment. Merci infiniment à vous, M. Kourouma, M. Barry, M. Traoré, M. Bangoura, Touré. Je vous remercie infiniment. Infiniment, je vous prie. Et voilà, nous sommes. Vous pouvez partir sur la page Facebook de la radio Basse Côte Internationale. Vous allez nous réécouter cette émission sur YouTube. Il n'y aura pas de problème. Ça sera disponible sur YouTube dans 2 heures de temps et sur Internet dans quelques minutes. Je vous promets, M. Lamine, je vais t'appeler. Je vais appeler mon frère Ali Badara Kourouma. On va faire un débat sur ça. 1h30 de débat à partir de 21h. Le vendredi dans l'émission je vais pouvoir vous quitter et chers auditeurs, merci de votre fidélité à la grande radio.
voilà. Attends, tu t'as pas où est-ce qu'il est. Faudrait rouler. Faudrait essayer de rouler. N'a pas là. Entre l'endang et à vous.